Bon matin, mesdames et messieurs. Ici Diane Gagnon. Vous êtes à Porteur d'espoir sur les ondes de CJMD 96,9 à Lévis ou sur le www.969fm.ca. En ce mardi 28 mars, j'ai le grand plaisir d'accueillir quelqu'un que vous aimez, que j'aime, mais qu'on connaît peu. Nathalie Lecœur, bon matin. Et bonjour. Je suis tellement contente de te recevoir ici parce que on te voit partout, puis on te connaît pas. Fait que je trouve ça vraiment particulier. Alors, c'est plate, là, je vais te présenter pour la dernière fois comme étant, ben, vous allez comprendre pourquoi, là, la femme de François Lemay, pas que tu seras plus sa femme, mais c'est parce que je veux qu'on te connaisse pour ce que tu es, toi. Tu l'accompagnes partout, on te voit dans tous les événements avec lui. François parle abondamment de toi. T'es toujours souriante, tu dis bonjour à tout le monde te connaît de visage, mais on sait pas grand-chose de toi. Et là, en fin de semaine dernière, au Salon de l'éveil ici à Lévis, t'as fait ta première conférence à vie? Ben, ma première conférence avec François. OK. T'en avais déjà fait d'autres? J'en avais déjà fait dans mon domaine de travail et l'année passée, j'avais fait un petit 15 minutes en solo. Ça, c'était vraiment une première là au niveau du développement personnel seul, mais une vraie conférence, en fait, je peux dire que c'était ma première, ouais. Ça s'est super bien passé. Comment tu te sentais? J'ai adoré l'expérience. Oui. C'était vraiment un moment privilégié de pouvoir faire ça avec François. Surtout que c'est comme nouveau, tu sais. Puis c'était un challenge aussi, parce que François, ben c'est son domaine. Lui est très à l'aise de faire tout ça. Et pour moi, c'était une grosse sortie de zone de confort. Oui. De parler du couple, oui, premièrement. Quelle humilité ça prend quand même. Parce qu'il faut dire à nos auditeurs que, ben, deux, trois choses. D'abord, François a incité pour que vous soyez pas préparés, alors que toi, tu as besoin d'être préparé en temps normal. Et que vous avez parlé de votre couple, mais pas pour vous donner un exemple, mais pour dire, voici c'est quoi un couple, voici comment ça marche, voici où sont nos blessures, comment nous on les a surmontées. Ça demande beaucoup d'humilité et de vulnérabilité. Est-ce que ça t'angoissait? Qu'est-ce que ça faisait? Bien honnêtement, au début, comme tu viens de le mentionner, on n'était pas préparés. Tu sais, moi, je suis du style qu'il faut, j'organise, je structure derrière, puis François, ça canalise et l'inspiration vient quand il parle. Fait que c'était un challenge à ce niveau-là pour moi de me laisser guider premièrement puis de pas savoir où est-ce qu'on allait aller et jusque où on allait aller. Puis en même temps, c'était un beau défi parce que je me laissais comme toute l'ouverture possible à ce niveau-là et ça nous a permis de parler de nous. Puis comme tu dis, on a nos défis de couple encore, comme tout le monde, on a nos hauts, on a nos bas. Et on expliquait un petit peu au travers ça comment, grâce un peu à la pleine conscience, grâce au fait qu'on s'observe, qu'on connaît les valeurs de l'autre, qu'on connaît les blessures de l'autre, bien qu'on a pu passer au travers de ces étapes-là de notre vie. Est-ce que ça demande confiance presque aveugle dans ton chum? Parce que tu sais pas où il va t'amener là-dessus. Est-ce qu'il y a des affaires que tu disais, oh non... Ben, en fait, il a commencé la conférence assez fort en ayant une image assez particulière. Mais, tu sais, je veux dire, des fois, tu dois avoir envie de dire, « Oh non, on va pas là, François, on va pas là. » Oui, parce que moi, je suis moins à l'aise d'ouvrir toute ma vie comme lui, il le fait. Tu sais, lui, au fil du temps, je veux dire, notre vie, un peu, tout le monde la connaît maintenant parce qu'il en parle sur scène, il en parle dans son vidéo, il parle de tout ce qu'on vit. Moi, je n'ai pas encore ce sentiment d'être à l'aise à ce point-là, comme lui, par rapport à ça. Mais mon chum me connaît bien. Fait qu'il sait par mon... Il sait son haut, mes limites. Il connaît mes gestuels, il connaît mon regard. Fait qu'il savait que s'il allait vers une trajectoire où j'aurais été moins à l'aise, il l'aurait vu tout de suite. Les autres l'auraient pas vu, mais lui, il l'aurait vu dans mon regard. Puis je le sais qu'il serait jamais allé vers là. Ouais. Parce que tu as confiance qu'il te fera jamais mal. Alors, je veux dire ça entre guillemets, là. Dans le sens où te mettre dans un état inconfortable où tu vas y en vouloir, là. Non, je sais qu'il ira jamais là. Au contraire, je pense qu'il va plus essayer toujours de me mettre dans une zone où ce que je suis confortable, où ce que je suis bien, où ce que je peux prendre ma place. Ouais. Est-ce que tu as l'impression, on va revenir à Nathalie pour vrai après, là, mais est-ce que tu as l'impression que vous servez d'image d'un couple uni, c'est quoi? Je crois que oui.
Je crois qu'on a beaucoup de personnes qui nous ont vu cheminer au fil du temps. Oui. Tu sais, ils ont su les défis qu'on a traversés et qui s'identifient à dire que oui, c'est possible qu'un couple chemine ensemble puis qu'il soit bien, même au travers des résistances. Ouais, puis même au travers des défis, parce que les choses que vous avez vécues sont quand même assez difficiles. La faillite de François, ses idées de projet sans revenus, alors que toi, t'as besoin d'une certaine sécurité. Ça met le couple à rude épreuve, ça, non? Oui, tout à fait. Mais autant que j'avais une certaine rigidité quand on a commencé à se fréquenter, il y a de ça presque 8 ans et demi, que au fil du temps, je me suis un peu assouplie. Un peu beaucoup. Oui. Tu sais, au début, moi, j'avais besoin de faits, de preuves, il fallait du concret. Ouais. François était plus dans les rêves, les idéaux, on va voir, tout ça va arriver. Fait que, veux pas, ça confrontait un peu mes croyances, ma réalité, que maintenant, ça donne juste du bon. Mais que oui, c'était des ajustements, puis il y a eu des confrontations d'opinions, parce qu'on pensait, on voyait pas la vie de la même manière au départ, là. Ouais. Mais vous veniez de deux milieux différents. Toi, tu viens de où, Nathalie Leca? Au domaine professionnel, tu vois ça? Non, privé. T'es née où? T'as-tu des frères et des sœurs? Moi, je suis née au Saguenay, à Chicoutimi. Ah, c'est vrai? Oui. T'as pas d'accent? Non, mais j'ai déménagé très souvent parce que je suis une fille de militaire. Ah oui? Fait qu'on a eu plusieurs postings à différents endroits dans le monde parce qu'on s'est même retrouvés au niveau de l'Allemagne. Fait que ça fait que j'ai pas nécessairement aucun sentiment d'appartenance nulle part du fait que on déménageait quand même assez régulièrement là, par rapport au travail de mon père. Les racines souples. Oui, tout à fait. Fait que là, ça permet de s'adapter à un milieu, de se faire un nouveau réseau, un nouveau cercle d'amis à chaque fois. T'as des frères et sœurs? Non, je suis enfant unique. Oh, OK. Fait que c'était un challenge aussi par rapport à ça là, pour mes parents. Là, parce que, tu sais, comme enfant unique, souvent, on peut être plus demandant. Oui. Qu'est-ce que ça te faisait de déménager comme ça un peu partout? Est-ce que tu trouvais ça difficile de terminer des relations d'amitié? Parce qu'à ce moment-là, Internet n'existe pas. Courriel, Facebook, tout ça, c'est pas là. Mm-hmm. Honnêtement, il y a un déménagement vraiment qui m'a fait quelque chose. Et c'était, on est parti de Chicoutimi à la fin de secondaire 4. Oh. Pour s'en venir dans les Laurentides, pour faire le secondaire 5. T'as pas fait ton bal avec tes amis. C'est ça, le bal, la gang. T'arrives en secondaire 4, ben t'arrives en secondaire 5 et les gangs sont faits, les amis se suivent depuis longtemps. Ouais. Là, t'arrives dans une nouvelle école, tu connais pas personne. Là, tu voudrais fêter avec ton ancienne gang. Fait que ce déménagement-là, celui-là, je te dirais qu'il m'a plus heurté que tous les autres. Ouais. Les autres, j'étais plus jeune. Fait que au primaire, tu t'en rends un petit peu moins compte. Ou même à la maternelle, t'as moins conscience de l'impact, mais celui-là a été particulier. Qu'est-ce que ça a permis de développer chez toi, ce côté nomade, là, qu'en ayant quand même obligé, là, de voir des environnements différents, de te refaire des amis, de faire des deuils? Est-ce que t'as l'impression que ça a créé plus d'insécurité que de lâcher prise? Je pense pas que de l'insécurité par rapport à ça, parce que ça m'a justement permis que peu importe j'étais où, ben j'étais capable de me refaire un réseau. OK. Ça t'a donné confiance en toi. À ce niveau-là, oui. OK. Tu dis à ce niveau-là, parce qu'à d'autres niveaux, t'avais pas confiance en toi? Non, ben c'est sûr que c'est toujours un travail en progression au niveau, puis c'est encore un work in progress, là, tu sais, par toute rapport notre vie, hein? Oui. Puis c'est sûr que, tu sais, là... Tu sais, au niveau des conférences et tout ça, c'est nouveau dans ma vie. Fait que c'est sûr que là, j'ai une confiance à bâtir par rapport à tout ça. Juste d'être ici, c'est une énorme sortie de zone de confort pour moi, là. On est très contents parce que vous savez qu'elle est partie de Sainte-Julie ce matin. Alors qu'elle était à Québec hier, faut le faire, là. Elle était à Québec toute la fin de semaine. Ils sont retournés à Sainte-Julie hier et t'as repris la route ce matin pour être ici. Wow! Merci tellement, là. Quelle générosité. Puis il fait pas beau non plus ici, faut dire, pour les gens qui nous écoutent en Europe. C'est la pluie verglaçante depuis 2 jours. Les routes sont assez catastrophiques et je regardais à tout bout de champ ce matin, est-ce que Nathalie m'a écrit pour dire, Diane, je pourrais pas y aller finalement. Mais non, elle est là. Alors, on est contents. Si vous avez des questions pour Nathalie, vous faites comme d'habitude, vous m'écrivez sur ma page Facebook, Diane Gagnon, perso complet, sur le post de Nathalie ou sous celui que je viens de faire pour rappeler le début de l'émission. Et puis, on les lira, Nathalie, en nom. Alors, tu as fait tes études quand même ici au Québec? Oh oui, tout à fait. J'étais à l'extérieur du Canada, toute mon primaire. Okay. J'étais en Allemagne à cette époque-là. Tu parles d'autres langues? Non.
Voilà, à part demain. L'anglais. C'est l'anglais. Tu as décidé de t'en aller étudier en technique policière dès le départ. Pas dès le départ. Au début, honnêtement, comme plusieurs jeunes, je savais pas ce que je voulais faire de ma vie. Fait que j'avais commencé à étudier en sciences de la nature pour m'en aller plus dans le domaine médical. Ah oui, c'est vrai? Ouais. Et de fil en aiguille, je me suis retrouvée au niveau de la police. C'est un petit peu différent. Oui. Mais la raison de vouloir aider les autres était la même. OK. C'était ce besoin-là que j'avais besoin d'aller combler. Est-ce que le fait d'avoir un père militaire influence un choix de carrière comme d'aller dans la police? Ça a eu un impact au niveau de sécurité d'emploi, fonds de pension, carrière toute sa vie. Cet aspect sécurité-là a eu un impact. Au niveau règles, sécurité du public, justement, ça a dû avoir aussi une certaine influence? Oui, bien, je veux pas le fait que je sois un peu élevée dans ce domaine-là. A eu une influence directe ou indirecte là, sur mon choix de carrière. Là. Alors, tu lâches les sciences de la nature pour t'en aller en technique policière. C'est quoi qui a provoqué ce revirement-là de situation? Le décès de ma mère. Ah, c'est vrai? Oui. Tu avais quel âge quand ta mère est décédée? J'avais 19 ans. OK. Et pourquoi? C'est quoi l'élément qui a amené ce changement-là? Le fait que... Elle a eu le cancer. Fait que durant mes études, on a toujours eu les mauvaises nouvelles juste avant les périodes d'examen. Ah non. Fait que quand j'ai voulu faire mon choix de carrière ou ce que je voulais m'en aller dans le domaine de santé, il me manquait point un pour être accepté. Non, non. Fait que moi, avec ma philosophie de vie, ça a fait, bon ben, c'est parce que c'est pas là que je dois aller. Parce que tu pensais déjà comme ça à ce moment-là? Oui, j'avais... Pas aussi fort que maintenant, mais oui, j'avais déjà un peu cette optique-là de dire que les choses arrivaient pour une raison. Fait que ça a fait que non, c'est pas par là, faut que je m'en aille. Fait qu'on s'en va dans une autre direction. Fait que j'ai comme vraiment changé de direction. Mais technique policière, tu sais, je veux dire, moi, je voulais m'en aller en psychologie, je me suis en allée en relations industrielles. C'est relié, c'est de la psychologie industrielle. Et là, sens de la santé, technique policière, tu savais dans quoi tu t'embarquais. Tu sais, je veux dire, c'est quand même un métier plus risqué que d'autres. C'est quand même un métier plus dur que d'autres. Mais j'avais un besoin de, un peu l'idée utopique de vouloir sauver le monde. OK, on l'a tout, je pense. Puis je trouvais que c'était un métier qui pouvait bien correspondre à mon idéal de vie. Quand tu t'es retrouvée dans ce programme-là, tu te sentais comme un poisson dans l'eau. Oui, tout à fait. Ah oui, c'est vrai. C'était ma place. Ça correspondait à ce que je voulais à ce moment-là de ma vie. Et est-ce que c'est toi qui choisissais, parce que tu es devenue enquêteur par la suite, je connais pas ça, là, la progression dans la carrière policière, là, mais quand tu deviens enquêteur, c'est toi qui choisis dans quel domaine tu vas enquêter? Oui, ils ont rendu un certain stade où ce qu'on passe sur la patrouille. Après ça, c'est notre choix de vouloir devenir enquêteur ou non. C'est pas une obligation. Et par la suite, on peut postuler dans différentes sections. Fait que c'est vraiment un choix personnel rendu là où ce qu'on veut travailler. Et toi, tu as choisi les agressions sexuelles. Oui, tout à fait. OK. Ça prend beaucoup de courage. Oui, mais le feeling, quand je me retrouvais avec les victimes ou ce que j'avais l'impression de pouvoir vraiment les aider... J'avais l'impression de faire une différence dans la vie de quelqu'un. Ouais. Fait que c'est cet aspect-là de mon travail que j'adorais. Puis en tant qu'enquêteur, ça fait combien de temps que tu fais ça? Au niveau des enquêtes, ça faisait 9 ans. Des moments difficiles, sans doute. Tu as dû en vivre plein. C'est certain qu'en tant que... Tu sais que tous les policiers... peu importe où ce qu'on travaille, on vit des moments où ce que les personnes... qui font pas notre métier, ne vivent pas, tu sais. Fait qu'à un moment donné, oui, il y a des choses qui nous touchent. Qu'en temps normal, une personne comme, mettons, toi, ne vivrait pas ou ne verrait pas. Ouais. Fait que ça fait partie un peu de notre histoire, tu sais. Ça fait partie de notre pattern de vie, là. As-tu l'impression que tu as eu besoin de te faire une carapace ou tu es quand même resté toujours en contact avec tes émotions, puisque tu es personnellement, malgré les horreurs que tu pouvais voir des fois? Certain que dans un sens, on n'a pas le choix de se créer une carapace pour ne pas être heurté par ce qu'on entend ou par ce qu'on voit. Mais l'aspect humain demeure encore très important, là. Parce que j'imagine que quand tu vois quelque chose qui n'a pas d'allure, là, puis que je te demanderai pas de raconter, là, mais tu dois te dire, OK, là, je focus sur comment j'aide cette personne-là. Tu ramènes ton focus sur la personne qui est en difficulté, je suppose. Oui, c'est en plein ça. Tu sais, on est là pour aider les gens. Fait que notre attention, puis ce qu'on veut faire, c'est pour cette personne-là.
qu'est-ce que tu retires de, parce que c'est pas terminé, tu es en sabbatique maintenant, mais ça te sert comment aujourd'hui toute cette expérience-là en enquête, dans ce que tu fais maintenant? Mais c'est vraiment le contact humain. D'être capable d'établir ce contact-là avec les personnes que je rencontre, peu importe c'est qui. Ça te permet de développer un sixième sens? Peut-être dans un sens, oui. Ouais. Est-ce que tu peux voir les personnes qui sont en détresse? Tu en as rencontré plein. J'imagine que dans une activité quelconque, tu peux voir les gens qui auraient besoin d'aide, mais qui le mentionnent pas, qui le laissent pas voir ouvertement. Mais je pense pas que c'est nécessairement dû à mon domaine. Je pense que n'importe qui est moindrement à l'écoute des autres peut le voir. Et là, tu es enquêteur, tu rencontres notre ami François, vous tombez en amour, vous avez un petit bébé, tout ça, puis tu vis avec lui sa croissance au niveau des affaires, ses difficultés, son changement de carrière, son orientation au niveau du développement personnel. Et toi, là, François raconte toujours son point de vue et il raconte un peu le tien. Mais moi, je voudrais savoir vraiment le tien. Quand ton chum te dit, là, chérie, je m'en vais vers la faillite, tu racontais dans ta conférence, donc c'est pas des secrets que, tu sais, t'as été le soutien de famille pendant longtemps, le temps que François trouve sa niche à lui, là. Comment tu vis ça? Est-ce que t'as des frustrations? Est-ce que t'as des déceptions? Comment tu vis ça? Ben, honnêtement, j'ai passé un peu par tous les stades. Ouais. Tu sais, de la frustration à un moment donné, faut que la situation elle change parce qu'on étire l'élastique, on l'étire, puis il y a pas de résultat. Fait qu'il. Tu sais, il y a eu vraiment les hauts et les bas de cette situation-là. Jusque, tu sais, à un moment donné, c'était comme un peu un running gag, s'en est un, disant, ben là, si ça fonctionne pas, tu t'en vas travailler chez Rona. Ouais. On était comme rendu un peu dans cette énergie-là où ce que je voulais que les choses avancent, j'avais entièrement confiance que ça allait déboucher. C'est juste que je trouvais que ça allait pas assez vite. Ouais. Ouais. J'aurais voulu que ça allait beaucoup plus vite par rapport à tout ça. Mais je crois qu'en même temps, toute cette épreuve-là a fait que on a des bases solides maintenant, là. Ben, j'ai l'impression que après tout ce que vous avez traversé, c'est soit comme on dit en bon québécois, ça passe ou ça casse. Là, oui. Vous autres, ça passait, donc ça retisse des liens beaucoup plus solides. Oui, tout à fait, parce que tu sais, j'ai été là pour lui à cette époque-là. Tu sais, j'avais la chance de que moi le côté financier ne soit pas un souci dans ma vie. Alors que lui, de son côté, en avait pas. Fait que moi, je pouvais le soutenir à ce niveau-là. Mais lui, il avait des aptitudes que moi, j'avais pas à ce moment-là. Et de son côté, c'était comme un échange, tu sais. Tu sais, un couple, on est là pour se faire travailler et se soutenir différemment. Ouais, ouais. Tu sais, moi, j'avais l'argent, mais lui, il avait les outils pour m'aider. Fait que de part et d'autre, on s'aidait. Mais c'était juste différent. Est-ce qu'il y a eu des moments où tu avais l'impression que, oh non, il n'arrivera pas, là, c'est assez, là, je t'ai écœuré? Il y en a eu. Il y en a eu, mais on a réussi à rester quand même focus au travers de tout ça, de se dire que oui, on allait passer au travers. T'sais. Et c'est sûr que la période de la faillite, ça a été un gros moment là, au niveau du couple, au niveau de François lui-même, la contraction qu'il a vécue. Ouais, son estime de soi, sa peur, ça n'a pas dû être évident non plus, pas à supporter dans le sens de tolérer, mais à supporter dans le sens d'aider, parce que quand tu vis ça, tu as l'impression que tout s'écroule autour de toi, mais toi, tu es dedans, toi, tu tiens debout. Lui aussi, là, mais c'est mal dit, là, comme François. Excuse-moi, François, c'est pas ça que je voulais dire. Mais ça fait que nos blessures respectives ont remonté à la surface. Ouais. Puis que sans cette situation-là, ben possiblement que de mon côté, ça aurait peut-être pas remonté. Mais là, ça m'a permis de les voir et de travailler dessus. Grâce à la situation que François me menait dans ma vie, là, et vice-versa, tu sais. Qu'est-ce qui remontait à la surface? Mais c'est sûr que moi, j'avais toujours, tu sais, j'en ai parlé un peu au niveau de la conférence, et la peur d'être abusé au niveau financier et tout ça. Puis là, je me retrouve dans une situation où j'ai de l'argent, et là, tout d'un coup, on n'en a plus. Fait que c'est sûr que, veux pas, ma blessure à moi a remonté. Mais, tu sais, je sais fort bien, on est encore ensemble après plusieurs années. Ouais. C'était pas le cas. Non. C'était pas une question de y abuser de moi ou quoi que ce non, soit, non, non, rien non. De ça. Mais ça l'a fait émerger ça, puis j'ai pu comme la transcender grâce à tout ça. Là. Qu'est-ce qui faisait que tu avais cette blessure-là? Tu traînais ça depuis toujours?
honnêtement, je suis pas capable de remonter, de dire elle vient d'où, tu sais, par rapport à... C'est sûr que, tu sais, en étant dans un moule où ce que... Tu sais, pas un peu militaire, mais là, tu rentres dans une carrière pour ta vie, tu vas avoir un fonds de pension, faut que tu gères ton argent. Fait que, tu sais, veux pas peut-être que ça vient de là inconsciemment, mais je suis pas capable de dire qu'il y a un événement X qui a fait que... Ouais, parce que tu sais, tu utilises deux mots qui quand tu parles de t'as peur d'être abusé financièrement, c'est l'expression que tu as utilisée juste là, puis à la conférence aussi, c'est ce que tu disais, tu sais. Il y a une différence entre avoir peur d'être abusé financièrement puis être insécure financièrement. Mm-hmm. Tu sais, probablement que l'aspect militaire a permis de développer une sécurité, donc la peur de perdre cette sécurité-là, mais de l'abus. As-tu l'impression que tes parents ont été abusés, trahis, ont perdu des sous? Pas du tout. C'est pour ça que je suis pas capable d'expliquer ça vient d'où cette idée-là, de ma peur. Là. Je l'ai jamais vécu avant. Non. Puis là, ça remonte comme ça, puis là, ça t'a pris du temps à réaliser que c'était ça, cette peur-là? Je pense que c'est au fil du temps qu'on a fini par mettre des mots dessus. C'est peut-être même pas les bons mots exactement, mais ça a comme été un processus, tout ça. Là, ça s'est fait sur plusieurs années. Oui. Est-ce que tu vis encore avec cette peur-là? Celle-là, elle a passé. Oui? Oui, parce que, tu sais, je veux dire, on a passé au travers de l'épreuve de la faillite et tout ça. Là, notre réalité, elle est autre maintenant. Oui, oui. Fait que c'est sûr que l'insécurité par rapport à ce qui va se passer, mettons, plus tard, oui, il y en a un petit peu, mais j'ai plus le feeling que j'avais là, à ce moment-là. C'est quoi tes enjeux pour toi aujourd'hui? Là, tu fais ce changement, en tout cas, tu testes ce changement de carrière-là en ce moment. Tu es en sabbatique, puis tu lances le magazine Inspire-toi. C'est toi qui es la chef d'orchestre, la rédactrice en chef, j'imagine. C'est comme ça qu'on t'appelle. T'sais, c'est toutes des choses quand même nouvelles. Et tu as une plume extraordinaire que j'ai vue. Je sais pas si tu écris encore souvent. Moi, j'ai lu ton texte qui parlait de ta relation avec ton père, qui était extrêmement touchant et très bien écrit. Et merci. Qu'est-ce que tu fais avec ça? J'écris encore à l'occasion. C'est plus rare parce que là, je veux dire, on a eu comme... Moins de temps. Moins de temps par rapport à tout ça. Mais j'ai dans l'idée de faire quelque chose avec ça. J'écris pour moi présentement. C'est juste que c'est pas diffusé, c'est pas mis parce qu'à un moment donné, j'écrivais plus d'articles de blog ou j'écrivais dans le magazine. Là, en ce moment, vu que c'est plus tranquille de ce côté-là, c'est vraiment à mon niveau, à moi. Mais je vais possiblement faire quelque chose un coup que ça va être terminé avec ça. Un livre? Un blog? Un livre, oui. Parce que ton histoire est quand même riche. Tu m'arrêtes si je dis des choses dont tu veux pas parler, là, mais tu sais, la sensibilité que tu exprimes puis le courage que tu exprimes dans ce texte-là face à un papa qui a des difficultés de dépression et tout ça, puis ton insécurité par rapport à est-ce que mon père va bien, est-ce qu'il va moins bien, qu'est-ce que je peux faire, puis si je me souviens bien, parce que ça fait quand même une couple d'années, je pense que tu avais écrit ça, hein? Ça se peut-tu? Celui-là, je pense que c'est remonte peut-être à 2 ans, dans les premiers que j'avais. Ouais, c'est ça. Puis à partir de ce moment-là, je me suis dit, my God, tu sais, t'es assez low profile en général. Puis là, quand tu vois ça, tu vois, quelle profondeur. Tu sais, t'es une femme qui est très inspirante. Mais c'est comme si tu n'oses pas trop le montrer. C'est toujours plus facile par écrit qu'en personne, pour moi. Oui. Fait quand je vis des choses, ben c'est plus... je suis plus capable de les écrire, de me libérer à ce niveau-là que de me mettre sur la place publique comme mon chum. Tu écrivais dans cette lettre-là que tu t'étais inquiété longtemps pour ton papa. Puis tu avais fait comme une prise de conscience. Puis c'est ça que j'aimerais t'entendre dire, tu sais. Qu'est-ce qui fait que c'est comme si tu l'avais confié finalement à plus grand que soi. Là, je sais pas trop comment tu l'avais abordé là, mais qu'est-ce que tu as vécu par rapport à cette situation-là? Bien, c'est sûr que, tu sais, pour ceux qui le savent pas par rapport à ce texte-là, c'est que mon père a fait plusieurs tentatives de suicide depuis ma jeunesse. Il est encore avec nous, il a décidé de se reprendre en main, puis il fait des démarches à ce niveau-là. Mais il y a eu un laps de temps de ma vie où ce que...
tu sais, un peu les rôles étaient rendus inversés. Oui, t'étais le parent de ton père. Oui, parce que ma mère était rendue, ma mère était décédée, fait que j'étais toute seule avec mon père, fait que je devais, fait que je me suis comme pris un rôle qui ne m'appartenait pas, mais je trouvais qu'à ce moment-là, je devais prendre ce rôle-là. Jusqu'à un point où ce que je me suis rendu compte que je ne pouvais pas le sauver. J'avais beau faire tout ce qui était possible de faire, si les démarches ne venaient pas de lui, c'était juste impossible. Puis je t'entraîne un peu de, comme plusieurs personnes, qu'on essaye d'aider les autres, de gâcher notre vie, de se rendre fou par rapport à tout ça, d'avoir des inquiétudes qui nous appartiennent pas, un malheur que c'est pas le nôtre. Mm-hmm. Jusqu'au point où ce que j'ai décidé de dire, OK, t'sais, je te redonne ton pouvoir. Moi, je reprends le mien, puis je me dis, OK, je m'aime assez pour dire, peu importe ce qui arrive par la suite, à un moment donné, moi, faut que je redevienne juste moi et que toi, ben, t'as ton bout de chemin à faire. Nathalie, c'est un moment de courage quand même assez gigantesque de faire ça parce que on peut se sentir extrêmement coupable de dire, ben, écoute, moi, je suis plus capable de rien faire, je te redonne ton pouvoir, tu sais. Tu te sentais comment quand tu dis ça? Qu'est-ce qui amène cette prise de conscience-là? Il y a un événement particulier ou... Ben je revois très bien la scène parce qu'on venait de le rentrer encore une fois à l'hôpital et c'était comme c'était nous deux qu'on s'en allait dans un mur. Tu veux dire toi et ton père? Moi et mon père. Puis moi c'est pas ce que je voulais de ma vie à moi. Mm-hmm. Fait que moi ma vie je voulais qu'elle soit autre chose. Fait qu'à un moment donné c'est se choisir aussi au travers de tout ça et ça a pas été facile. Là, je veux dire, je te passe toutes les émotions qui étaient sur la scène et ce qui m'ont passé dans la tête. Mais je pense qu'on était rendu à ce point-là. Et ça a été un point tournant autant dans ma vie que dans la vie de mon père. Parce que c'est à partir de ce moment-là que je pense que lui aussi a fait des prises de conscience. Parce qu'il n'avait peut-être pas l'idée de l'ampleur de tout ce qui se passait dans ma vie à cause de tous ses gestes à lui. Il réalisait peut-être pas toute la peine qu'il te faisait. Oui. Puis c'était pas méchant. C'est juste qu'à ce moment-là, il n'y avait pas les outils pour se faire aider. Il faisait du mieux qu'il pouvait avec ce qu'il avait au travers de sa détresse. Là. Quand on dit ça, comment le parent le reçoit? Ton père, quand tu lui as dit, écoute, là, je te redonne ton pouvoir, pardon, là, je suis plus capable de te sauver ou d'essayer de te sauver chaque fois. Comment ton père réagit dans ce temps-là? Bien sûr, c'est un peu un choc. De part et d'autre, c'est un melting pot d'émotions. Oui, j'imagine. Ça devait être très émouvant. Tu sais, moi, ma part de responsabilité revient à ce que moi, je dis. Comment lui le perçoit, j'ai aucun pouvoir dessus. Tu sais, si lui le reçoit comme une attaque ou comme pour l'aider, ça lui appartient. Moi, je devais le faire pour moi. Quand on le dit, puis qu'après, il se passe autre chose, est-ce qu'on est capable de maintenir notre choix? Oui. Oui. Tu l'as laissé avec son pouvoir à lui de faire ses choix à ce moment-là. Oui. T'es en paix avec ça, puis lui aussi. Être en paix à 100%, ça serait mentir. Ça serait c'est pas tout à fait la réalité, mais il y a une partie où ce que je suis quand même bien avec ça. OK. Puis tu sais, j'ai la chance qu'il soit encore là aujourd'hui. Oui. Fait que ça a dû avoir un bon impact malgré tout. Oui, sûrement. T'sais. Puis le mal de vivre, ben c'est quelque chose qu'il faut qu'on soigne soi-même souvent parce que ça. Le goût de vivre, c'est nous qui l'avons. Hein? Oui. On peut pas se le faire inoculer, malheureusement, c'est de bonne valeur, mais c'est un fait. Tes enfants, ben ta petite fille et le fils à François, comment vous vivez ça, cette relation-là avec ce grand-papa-là avec qui vous êtes allé en voyage récemment, je pense? Hein? Oui, ben sont très proches de nous. T'sais, malgré tout, parce que je veux pas le fait qu'on soit dans plein d'événements, c'est souvent eux qui vont garder vont garder ma fille. Fait qu'on a une belle relation au travers de tout ça. C'est nourrissant pour les petits, puis c'est nourrissant pour toi. Oui, okay. Tout à fait. Ah, c'est bien. Ton père a refait sa vie? Oui. OK. Fait que un ange de plus pour l'accompagner. Oui, tout à fait. OK. Aujourd'hui, vous avez décidé, en fait, toi et François, vous avez décidé de lancer cette conférence-là à deux. C'est un projet one-shot ou vous voyez ça sur le long terme? Ça faisait longtemps qu'on y pensait par rapport à bâtir quelque chose. Ça venait du fait que quand on anime les retraites ensemble, les gens nous parlent souvent de notre couple.
Puis là, on se disait que, ben, qu'on pourrait peut-être éventuellement faire quelque chose, mais au travers de, tout le de tous les projets, c'était pas une priorité. Mmh. Et là, au dernier salon de l'éveil qui s'était passé à Laval, on en avait parlé, c'est comme, oh, ça serait le fun de monter quelque chose de couple, mais sans nécessairement être très sérieux par rapport à ça. Et moi, j'avais dit à Cathy, Tropiano, qui organisait le salon, bah, si t'as de la place, on embarque, t'sais. Ben, finalement, il y a eu de la place. Fait qu'on s'est, fait que je me suis comme un peu refaite avoir à mon jeu que c'était comme une idée un peu lancée à l'air, finalement. OK, on a de la place, on a une conférence. Faut qu'on se lance. Ouais. Puis en même temps, c'était l'essai aussi de par rapport à tout ça, comment moi j'allais me sentir de parler devant des gens, de parler de relations de couple. Je veux pas, on s'est ouvert sur notre vécu pour. Parce que les gens se font une histoire à travers notre histoire. Ouais. Fait que c'est sûr qu'en parlant de ce que nous, on a vécu, il y a eu des résonances pour les gens. Fait que c'était comment, moi, dealer avec François, parce que veux pas, lui, quand je voulais préparer la conférence, on va se laisser inspirer. Moi, c'est pas nécessairement mon mode de fonctionnement. Fait que c'est un gros lâcher-prise. Puis autant pour lui, faire une conférence avec moi, c'était nouveau aussi, parce qu'il veut pas, il savait pas comment j'allais réagir ou comment que j'allais être capable de surfer sur le moment qui allait se passer. Puis honnêtement, ça s'est bien passé. Moi, je me suis bien sentie. Ouais. François s'est bien senti. Fait que oui, il va peut-être avoir, possiblement avoir d'autres choses qui vont découler de tout ça. Je sais juste pas quand. Ça, c'est le défi. J'imagine que vous voulez pas être comparé au duo des Morissette. c'est pas le même genre de. Ben, sais-tu. Mais j'ai pas vu leur spectacle, je peux pas comparer. Non, mais en fait, c'est votre authenticité, je pense, qui fait que vous vous ressemblez, votre humour aussi, parce que ce qui est extraordinaire, c'est que ni toi ni François, vous vous prenez au sérieux là-dedans. C'est comme une discussion autour d'un bon repas avec des amis, finalement. Tu sais, vous avez pas de leçons à donner à personne. Tu sais, vous essayez pas de donner de leçons non plus. Puis, tu sais, moi, j'étais derrière la salle. J'adore faire ça. Puis, je regarde les réactions des gens autour. Puis, tu sais, on voit que les gens étaient comme avec vous. Puis, on voyait les têtes hocher en disant, oui, moi aussi, je vis ça chez nous. Mm-hmm. Puis, et vous avez raconté quelque chose que je trouve... qui m'a beaucoup touchée, puis je t'en ai reparlé quand on s'est vu au déjeuner, c'est que, bon, toi, comme tu es enquêteur, tu as besoin d'être prête, de fait, puis tout soit concret, et dans toutes les histoires de projets de François, lui, c'était l'intuition, on va dire les nuages, parce que je me laisse guider par le vent qui viendra, puis c'est correct. Alors, toi, tu étais... des faits, puis lui, c'était complètement l'inverse. T'sais. Puis ce clash-là, pour parler en bon français, a été source de beaucoup de discussions entre mm-hmm. vous et de beaucoup d'évolutions, je pense, de part et d'autre. Vous vous êtes mutuellement aidés à peut-être, je sais pas si tu as réussi dans le cas de François, l'aider à être un peu plus sur les faits, mais de toute évidence, il a réussi à t'assouplir et à dire « OK, c'est correct, je ne sais pas tous les faits ». Mais tout à fait. On a comme vraiment deux modes de pensée différents. On l'a encore aujourd'hui, mais il est moins à l'opposé qu'il était au départ. Au départ, c'était vraiment... on était vraiment aux deux opposés parce que François était toujours dans le futur. Tu vas voir, il va se passer ça, je vais faire tel projet, il va se passer ça. Puis moi, je disais, oui, mais ça n'a jamais levé. T'sais, on paye plus de frais d'annulation de salle que tu fais de salle. T'sais, on était vraiment... Fait que j'avais la critique... vraiment facile et cinglante à son niveau, tu sais, j'étais la reine là. Pour tu sais péter une bulle, j'étais tu sais comme qui emploie souvent son expression l'ange aiguisé en trou de cul là, oui. J'avais vraiment le rôle parfait pour moi. Parce que moi j'avais besoin de concret et lui était comme dans les rêves, chose que moi je n'avais plus quand j'ai rencontré François. Oh, c'est beau ça. Moi je ne rêvais plus. J'avais comme plus de projets, ma vie c'était mon travail, c'est comme je me donnais à du 300%, puis c'était comme planifié. Mmh. L'amour c'est comme plus trop ce que je voulais dans ma vie, tu sais, j'étais vraiment rendue, j'avais même planifié bon ben à tel âge je me fais faire un in vitro tout ça. J'étais rendue jusque là tellement que moi c'est comme toutes les portes étaient fermées. Fait que c'est sûr que quand j'ai un gars comme François qui rentre dans ma vie avec tout son monde de rêves et de projets, ça me heurte beaucoup à tout ce que j'ai fermé. Mmh. Fait que moi, ça m'a permis, au travers de tout ça, de me réouvrir à cet univers-là que j'avais décidé volontairement de fermer pour plus être blessée. Mmh. Et moi, de l'autre côté, je lui ai amené un petit peu le concret de certaines choses qu'il faut prévoir, faut organiser. Mmh.
C'est pour ça que maintenant, on a un peu notre force en travaillant ensemble. Bien, c'est sûr que l'aspect structure, organisation des événements, c'est plus mon volet. Oui. Mais toutes les idées de génie qui lance, ben s'il y avait pas son côté rêveur et tout ça, on les aurait pas. Mmh. C'est pour ça que je pense que maintenant on travaille bien ensemble parce qu'on comprend aussi comment l'autre fonctionne. Mmh. Ça c'est super important parce que si tu saisis pas comment l'autre est dans sa carte du monde à lui, ben c'est sûr ça va tout le temps être en résistance parce qu'on pense pas du tout pareil. Mmh. Mmh. Mais on est capable de quand on se ramène au moment présent d'être ensemble puis de se comprendre. Mais quand on part chacun dans nos extrêmes, ben faut on se le dit réciproquement. Mmh. Ben là t'es pas mal loin, t'sais. On essaie de te ramener puis voir les choses différemment. Mmh. Parce que vous êtes, tu sais, les extrêmes que vous avez vécu, plein de couples en vivent. Mais c'est pas tous les couples qui réussissent. C'est-à-dire, t'as dit quelque chose de fondamental. T'as dit quand on comprend comment l'autre fonctionne. Mmh. Tu sais, je peux comprendre comment l'autre fonctionne puis dire oh non, moi ça me convient pas du tout. Mais vous avez décidé de dire ok, elle fonctionne comme ça, je vais essayer de m'adapter à ça ou d'ouvrir ou de comprendre, même si c'est sûr que ça peut être toujours à l'eau de rose, là, on s'entend, là, mais cette ouverture-là que vous vous êtes accordée, c'est quand même assez, je dirais pas exceptionnel, mais presque, tu sais, c'est pas courant, mettons. Ouais, ben je commence à me rendre compte que ça, mais au-delà d'apprendre à connaître l'autre, faut apprendre à se connaître soi. Puis c'est souvent ça que les gens oublient. Ils savent plus c'est quoi qui les font vibrer, ils savent pas c'est quoi leur propre valeur. Fait que j'ai fait ça au début, j'ai rêvé au travers des rêves de François. Okay. Fait que c'était parfait, c'était comme il y avait plein de rêves, parfait, moi je vais adhérer à tous ces rêves là. Jusqu'à temps qu'à un moment donné, je me rende compte que c'était peut-être pas nécessairement les miens. Puis là, j'ai appris à me redécouvrir. Bon, ben, c'est quoi qui me fait vibrer? C'est quoi que j'aime faire? Je suis qui? Puis à partir de ce moment-là, quand tu redécouvres tu es qui? Ben c'est plus facile de pouvoir l'expliquer avec la personne avec qui tu vis. Quand que les deux, tu sais, comme nous on a clairement eu des discussions. Regarde moi dans ma vie, mes valeurs c'est ça. Toi les tiennes c'est quoi? Puis notre rôle respectif aussi en tant que couple, c'est de faire vibrer l'autre de part et d'autre. C'est beau ça. Fait que moi je le sais c'est quoi les valeurs à mon chum. Je le sais que quand il y a plus de plaisir, quand il devient trop sérieux, je le sais qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas. Puis là, je dis, hey, t'es-tu sûr que ça va bien? Parce que là, il n'y a pas eu de petites jokes, il n'y a pas rien eu. Mais de part et d'autre, il me connaît assez pour savoir que quand j'ai pas mes valeurs qui sont respectées, il y a quelque chose qui se passe. Fait que c'est un peu un style de devoir de couple d'être capable de reconnaître ça au travers de l'autre. Quand tu t'es redécouvert, qu'est-ce que tu as découvert justement de toi? Tu sais, tu dis j'avais oublié, j'avais pu rêver, puis je comprends que tu t'étais fermée à plein de choses. Quand ça rouvre tout ça, on découvre quoi? Eh ben, honnêtement, c'est un melting pot d'émotions, de plein de choses qui montent. Tu parlais de vulnérabilité tout à l'heure, tu sais, se permettre de le redevenir. C'est sans jugement des autres, des pères, c'est un gros plus par rapport à soi, tu sais, redécouvrir ce qui, tu sais, je veux dire, moi, les voyages, l'écriture, c'est toutes des choses que je mettais de côté, que je sais que quand je le fais, ça me fait du bien. Pourquoi tu les mettais de côté? Alors, il y avait toujours quelque chose de mieux ou de plus important à faire. Plus dans le sens d'obligation et de responsabilité et non de plaisir. Oui, tout à fait. Tu sais, j'étais vraiment rendue dans un moule très travail, j'étais très impliquée à ce niveau-là. Très sérieuse. Oui, le plaisir était plus là. Tu sais, j'étais comme un peu rendue plate. Tu sais. Qu'est-ce qui t'avait rendue comme ça? Je me prenais trop sérieux. Tout simplement. Des relations amoureuses difficiles qui ont fait que tu as fermé tout ça, que tu as dit, oh non, moi, je veux la paix, je veux plus d'affaires compliquées, je veux plus... Ça aussi, mais à un moment donné, tu rentres dans un moule de performance. Fait que là, tu veux performer un peu partout, fait que tu vises toujours plus, fait que tu veux toujours en faire plus, fait que tout ce qui est ta nature profonde de ce qui te fait vibrer, ben tu le mets tout de côté pour en donner toujours plus aux autres pour avoir la reconnaissance. C'était ton besoin de reconnaissance, d'être aimé que tu allais chercher ou une satisfaction personnelle de dire hey, « je suis fière de moi, je suis capable » puis À cette époque-là, c'était vraiment la reconnaissance des autres. OK. J'avais comme pas encore abordé l'aspect « moi » à moi-même. Ça, c'est vraiment François qui a réussi à
à m'aider à dénouer tout ça à ce niveau-là. Fait que c'est pour ça que je disais, tu sais, moi, j'avais une facette que lui avait pas, puis lui m'a vraiment aidé de ce côté-là. Tu découvres quoi d'autre? Tu sais, je veux dire, tu te remets un peu à rêver, mais on rêve de quoi quand on sait plus comment rêver? Quand on recommence à rêver, on dit, oh, c'est vrai, quand j'étais plus jeune, je rêvais de faire ou d'être ou... Ça a été vraiment quand je me suis mis à prendre le temps de faire l'exercice que François fait faire au niveau des valeurs. Quand il nous dit, repensez à des événements où ce que vous aviez des étoiles dans les yeux, puis vraiment un sentiment où ce que vous sentiez « wow ». Puis là, je me suis mis à faire un petit peu une rétrospection de ma vie, dire « ah oui, c'est à quelle époque, à quel moment, qu'est-ce que je faisais qui me mettait dans cette zone-là ». Puis c'est ça qui a fait remonter tranquillement mes rêves. T'sais, mes rêves de vouloir recommencer à voyager, de vouloir recommencer à écrire, d'être plus présente, de me remettre vraiment plus au niveau du yoga, des choses comme ça. C'est tout ça qui a émergé. Alors, toi, tu es professeur, ben, je ne sais pas si tu es professeur de yoga encore, oui. Ça en fait combien d'années que tu fais du yoga, toi? Que je fais du yoga, ça doit faire au moins 15 ans. Ah bon, OK. Et là, François a l'idée de partir une retraite Kaizen, qui est une retraite de 2 ou 4 jours que vous faites à Valmorin? Oui, Valmorin à Laurentides. Et où vous accueillez, je pense qu'il y a un maximum de personnes. Je sais pas. On accueille 23 participants. OK. Parce qu'on veut être un maximum de 25, incluant François et moi. Donc, méditation pleine conscience et yoga. Oui. Puis alimentation santé là, aussi, je pense. Hein, ouais, on mange végétalien. C'est bon, ça. Et tu décides d'embarquer avec lui puis de dire, moi, je vais faire l'aspect yoga. C'est ton idée. Comment ça naît, ça, ce projet-là? C'est encore une idée à François. Tu m'étonnes. Et on voulait vraiment créer quelque chose ensemble où ce qu'on pouvait amener un peu chacun notre saveur. Et moi, c'est vraiment l'aspect yoga qui m'intéressait. Quand on a commencé à en parler à ce niveau-là, j'ai dit, ben, je vais aller faire ma formation d'enseignante de yoga, puisque ça prend quand même un certain temps pour toute la formation. Puis je m'étais dit, au pire, ça va me servir pour moi en tant que personne, pour m'aider dans ma pratique de tous les jours. Ouais. Mais c'était vraiment le but qu'on le monte ensemble, ce projet-là. Puis c'est ce qu'on fait, on anime ensemble. Moi, j'anime le yoga et l'atelier comme de respiration. Et François, c'est vraiment au niveau de l'enseignement de la pleine conscience et de la méditation. Mm-hmm. Fait qu'on réussit à faire ça ensemble. Puis c'est un beau projet de couple. Parce qu'on est là durant tout le laps de temps, soit 1, 2 jours ou 1, 4 jours, où est-ce qu'on accompagne les gens et on voit le cheminement qu'on apporte dans leur vie. Tu sais, moi, je le vois au niveau du yoga. Il y a beaucoup de personnes qui arrivent, qui ont des réticences face au yoga. Parce qu'ils n'en ont jamais fait ou à peu près. Ou ils n'ont pas de souplesse ou des hommes qui sont pas trop sûrs qu'ils vont aimer ça. Ouais. Et de réussir à leur transmettre quelque chose que tu aimes, puis qu'après ça, ils viennent te voir. Hey, je pensais pas que c'était possible dans ma vie. Ben, j'ai l'impression d'en faire mon petit bout de chemin pour les aider. Oui, c'est le fun, ça, cette reconnaissance-là, mais pour un autre niveau aussi de ce que tu apportes. Est-ce que vous faites des méditations ou des discussions en pleine conscience ensemble avec les gens ou si vous êtes séparés chaque fois vos champs respectifs d'expertise? Règle générale, on est presque toujours là toutes les deux. Dans la grande pièce avec tout le monde, c'est sûr que le volet tout enseignement, pleine conscience, c'est vraiment François qui le gère à ce niveau-là. Mais moi, si ça arrive que j'ai besoin de rajouter des choses, ben je peux les rajouter aussi. C'est même chose, des fois, si lui, pendant que j'enseigne quelque chose, il y a quelque chose qui lui pop, ben il dit aussi à ce moment-là, on se laisse cette ouverture-là mutuelle. Je sais que vous avez souvent planifié ces retraites Kaizen-là tout de suite après les Inspire-toi pour aller vous ressourcer. Oui, tout à fait. Mais tu sais, c'est un cadeau qu'on se fait à nous aussi, parce que quand on part pour les retraites, nous, on anime toujours la 2 jours et la 4 jours collés. Ah oui? Oui. Donc, vous êtes 6 jours de temps? On est 6 jours là-bas. Fait que nous, ça nous permet vraiment 6 jours pour se ressourcer puis se remettre dans un bon état aussi. Là. Alors, même si vous enseignez à 23 personnes pendant 6 jours, des personnes différentes chaque fois, vous arrivez à vous ressourcer quand même. Ben oui, tout à fait, parce que je veux pas. Moi, je participe aux méditations que François va enseigner. François participe à mes cours de yoga. Fait qu'on, puis en même temps, je réécoute toujours l'enseignement. T'sais, même si souvent, c'est des choses que je connais. La connaissance, c'est une chose, mais la stimulation, ça en est une autre. Fait que
je suis comme toujours une nouvelle personne qui arrive dans le cours de François. Fait qu'à ce moment-là, je comprends des nouvelles choses, puis j'assimile encore. Il y a encore des processus qui fait faire que je réagis encore. Fait que je me dis, OK, il y a encore des choses à libérer à ce niveau-là. Mmh. Ça fait beaucoup de cheminement depuis, ça fait quoi, 2 ans qu'Inspire-toi existe? Oui. Puis avant, François avait ses capsules déjà sur le web. Il y a comme eu des moments plus on and off au niveau du web par rapport à François. Mais oui, Inspire-toi, ça faisait 2 ans là, jusqu'à dernièrement, là, en mars, où ce qu'on a décidé là, d'arrêter le mouvement, d'arrêter les soirées telles qu'elles existaient. Par contre, il va y avoir d'autres choses qui s'en viennent par rapport à Inspire-toi sous une autre forme, mais pas les soirées comme qu'on avait tendance à les connaître. Pas les soirées de conférenciers, puis tout ça. Ça te fait quoi, toi? Parce que vous m'avez raconté que tu as senti que François, il avait l'air à plus ou moins filer quelques jours avant la dernière Inspire-toi. Puis tu as dit, il y a quelque chose qui couve. Ouais, ben, je veux pas, je le connais, mon chum. Ouais. La décision par rapport à Inspire-toi, c'est prise le dimanche avant l'Inspire-toi du lundi, ouais. C'est comme la veille, finalement. C'était pas trop planifié, mettons. Non, c'était pas du tout planifié, parce qu'on avait même des salles de réserver pour plus tard. Puis François fonctionne beaucoup par intuition, puis c'est ce qu'il faut qu'il écoute, parce que quand il l'écoute pas, c'est là qu'on se rend compte que ça fonctionne pas. Puis on était au souper, puis tu sais, il dit, j'ai un feeling. Puis avant même qu'il en parle, je dis, ben moi, mon feeling, c'est que c'est les derniers. Puis il dit, ben moi aussi, c'est ça. Ah fait oui, parce que tu le ressentais pour toi aussi? Oui, parce que veux, veux pas, il y a beaucoup de choses qui se passent dans nos vies, de beaux projets qui sont là, qui s'en viennent. Inspire-toi, c'était fantastique, c'était merveilleux. On avait vraiment des gens de cœur qui nous entouraient. Mais c'était derrière aussi beaucoup d'organisations. Ouais. Puis au début, c'était à tous les mois, donc ça revenait assez vite. Hein? Oui, on sortait d'Inspire-toi, on était en préparation, marketing, les billets, les préparations des bénévoles, les partenaires, c'est beaucoup de logistique derrière tout ça. Et puis, ça a connu une croissance extraordinaire. On a commencé, vous avez commencé, il y avait, je pense, 400 ou 500 personnes dès le premier soir. Oui. Puis, les dernières réservations, sauf pour la tempête du siècle, il y avait quand même 1500 personnes, je pense, qui étaient attendues à ce moment-là. Oui, tout à fait. Puis, on en a eu, malgré la tempête, autour de 400. Ben, c'est 400 braves, là. Oui. Parce que c'était impraticable. Ah, c'était juste mongol dans le stationnement, les rues. Mais les gens, tu sais, il y en avait plusieurs qui avaient entendu parler que ça allait être le dernier Inspire-toi, qui voulait être présent, vivre ce moment-là. Fait que c'était vraiment une soirée intime. Tu sais, on était proches. Intime à 400, oui. Comparativement à nos autres soirées à 12 personnes. Ça donne une idée de l'envergure. On a fait un petit souper intime à 400 personnes, OK, d'accord. C'était quoi tes plus beaux moments pour toi dans Inspire-toi? Eh ben, il y a tellement eu de belles choses au travers de tout ça. Tu sais, voir qu'on est parti d'un projet à zéro, tu sais, qui était comme... Moi, j'étais la première à dire que c'était complètement fou. Là, quand il m'a annoncé qu'il venait de réserver des salles pour une année, là, on n'avait pas de conférencier, on n'avait pas de partenaire. On n'avait pas de sous non plus. Non, c'est ça. Puis en même temps, c'est comme c'était gratuit, je me mets à ta place, dire OK. Puis quand François le raconte, il raconte à sa manière à lui, mais toi, tu dis OK, là, encore un autre projet qui nous coûte des sous, mais qui ne rapporte pas, là. Qui ne rapporte pas concrètement. Au début, en tout cas, ouais. Puis c'est sûr qu'au début, ça allait amener encore une résistance, mais j'ai comme une faculté de que maintenant, avec les projets à François, dire, bah, c'est comme un haussement d'épaule. Oh, faudrait voir son visage quand elle dit ça. Ça va y aller de toute façon. Ouais, si lui, il sent, je le sais qu'il va y aller. Fait que oui, au début, c'est un peu fou comme projet, mais tout ce qui s'est créé, l'engouement, les gens... Mais c'était extraordinaire, là. Les gens attendaient ça, là. Ah oui. Tu sais, puis quand ça sortait pas assez vite, la programmation, là, les gens vous écrivaient puis vous disaient, c'est quand le prochain Inspire-toi, puis c'est qui va y avoir? Oui, puis veux pas, après chaque événement, on se mettait à recevoir un lot de courriels de gens qui nous racontaient un peu leur histoire, comment qu'Inspire-toi leur faisait du bien. Fait que ça, c'est des beaux moments aussi d'Inspire-toi, mais toute la synergie... Moi, je m'occupais beaucoup des bénévoles par rapport à ça, mais on était rendu une centaine de bénévoles.
des gens qui s'impliquaient, wow. là, qui nous donnaient de leur disponibilité, là, que vraiment des gens impliqués, puis tu le voyais que ça leur faisait quelque chose si maintenant ils ne pouvaient pas être à une certaine soirée. C'était tout le sentiment d'appartenance des gens. Il y a des gens qui sont venus à tous les Inspire-toi, qui sont venus assister, qui étaient là. Je les ai tous fait, moi, sauf le dernier, parce que j'étais malade, puis je m'en voulais tellement. Je me disais, oh non! Fait que l'énergie, les gens, puis veux pas la rencontre avec tous les conférenciers qui nous ouvrent leur cœur, qui nous ouvrent leur univers, ben, c'est qui donnent de leur temps, puis qui sont là pour ça, tu sais. Je pense à David Lefrançois, Serge Marquis, qui ont des agendas. Il y avait Sylvain Boudreau aussi, qui ont des agendas assez occupés, merci. Oui. Ah, c'est trop. Je viens de nommer trois que je reçois mon émission. Belle publicité. Ben oui, c'est coudon. J'ai de la suite des idées. Mais tu sais, puis qui ont été des moments forts parce que et pas que les autres étaient pas bons. Au contraire, tout le monde est inspirant. Mais tu sais, quand tu c'est sûr que la crédibilité que vous avez acquise au fil, c'est juste 2 ans quand même là. Puis qu'il y a des gros noms comme ça qui viennent partager, puis qui sont là pour même pas se faire connaître, mais donner aux gens qui sont là, tu sais, donner de leur connaissance, donner de leur temps, donner de leur présence. Moi, je trouve ça, c'est génial. T'sais, c'est quand même un tour de force que vous avez réussi, là. Oui, tout à fait, mais je pense qu'au-delà de tout ça, les gens le sentaient que c'était fait dans le cœur. C'était fait pour les bonnes raisons. Fait que je pense que c'est pour ça que c'était facile de faire adhérer les gens au mouvement. Même les conférenciers, parce que ça se bousculait au portillon pour aller chez vous, là. Ah, tout à fait. Ouais. On avait une longue liste d'attente de personnes qui auraient bien aimé ça, pouvoir venir sur la scène d'Inspire-toi. Est-ce que c'est toi qui gérais ça avec François en partie, cette liste de conférenciers-là? Comment ça se faisait? Bien honnêtement, la gestion de la liste d'attente, oui, je m'occupais d'aider à mettre les gens sur la liste, mais c'est encore une fois une question de feeling. Tu sais, c'est vraiment le choix revenait à François de dire, bon, ben, c'est qui que je sens à l'intérieur de moi? Parce que à ce moment-là, François faisait les approches et à toutes les fois, c'est un oui. Ouais. François ne se faisait pas refuser malgré les agendas serrés des gens. Quand l'intuition venait à l'intérieur de lui que c'était à ce moment-là la bonne personne, ben, ça fonctionnait toujours. Est-ce qu'il y a des moments cocasses qu'on n'a pas su puis que vous avez vécu dans le cadre de cette grosse machine-là? Eh bon, des moments cocasses, c'est sûr qu'il y a souvent eu des petits bugs techniques, des souliers, des jeans pas amenés aux événements. Mais tu sais, on a toujours été capable de se débrouiller pour qu'au final, tout soit correct. Là. Quelqu'un qui t'a marqué en particulier dans ces conférenciers-là? C'est sûr que j'ai un faible pour Serge Marquis et David Lefrançois. Ouais. Les deux. Ben oui, hein, les deux mêmes que t'as nommés. Ouais. Serge Marquis, c'est quelque chose d'étonnant puis de tellement extraordinaire dans ce qu'il est. Puis David Lefrançois, ben je boirais ses paroles encore là parce que c'est très différent quand même comme approche, mais c'est aussi un peu deux scientifiques qui écoutent aussi leur intuition puis qui sont je vais pas dire le mot aide, là, mais dans le don de soi auprès des gens pour apporter leur contribution, hein, c'est quand même. Tout à fait. Et ils demeurent dans la simplicité. Oui. Ils tombent pas trop dans les gros termes scientifiques. Ils demeurent ça accessible pour les gens, puis nous faire sentir que oui, c'est possible ce changement-là. Tu as accompagné François durant plusieurs de ses déplacements en Europe et puis un peu partout. Tu vis ça comment? Parce que là, tu es un peu plus à l'arrière-plan, à ce moment-là, t'es pas dans l'organisation, je présume. Non, ça arrive qu'on organise des événements en Europe, mais la plupart du temps, c'est les événements où que François est invité. Fait que c'est toujours spécial parce que la dynamique au Québec et la dynamique en France est totalement différente. Dans le sens de? Dans le sens que les Français sont plus groupis que les Québécois. Fait que quand on est en France, j'ai l'impression de sortir avec une rockstar. Pour vrai? Ah, c'est quelque chose. C'est assez qu'on doit avoir des gens, des fois, qui nous aident pour éloigner les personnes ou nous permettre de quitter les lieux. Pour vrai? Wow. C'est quelque chose. C'est la première fois, je suis restée honnêtement sous le choc. Je comprenais pas ce qui se passait. T'sais, pour moi, François, c'est mon chum, c'est simple, c'est...
Puis là, de voir tout le monde, là, c'est comme, il y en a qui shake, il y en a qui pleurent, c'est comme, mais attendez un peu, là, c'est comme... Wow. Dans ma tête, c'est juste les gros stars qui ont ça, puis là, ça se passait dans mon avec mon chum. Ça a été de l'adaptation, ça a été comme différent par rapport à tout ça. Fait que la dynamique, ici, les gens aiment beaucoup François, mais c'est pas la même chose que quand on arrive en France. Tu vis ça, de quelle manière, tu fais quoi, toi, pendant ce temps-là? Tu fais la touriste ou tu t'accompagnes François dans toutes ses activités? Règle générale, je suis pas mal toujours en compagnie de François pour aider à la logistique, même si c'est pas nous qu'on organise l'événement, mais c'est sûr que tu sais, il y a toujours autour la vente de livres, la gestion du temps et tout ça, parce que je veux pas, quand les gens sont toujours après François, le facteur temps, la gestion, combien qu'on laisse de temps avec les gens, les entrevues et tout ça, je m'occupe un peu plus de ce niveau-là. C'est le fun pour toi ou ça va de soi? Ben ça va de soi, parce que tu sais, c'est une période où ce qu'on... T'sais, la dernière fois qu'on est allé à Paris, on le savait qu'il y avait un volet de travail pendant 2 jours, mais après ça, on le sait qu'on est en amoureux pendant 3-4 jours ensemble où ce qu'on peut en profiter. Fait que ça fait partie un peu du deal. Ouais, on travaille, mais après ça, on profite du bon temps. Il y a des bons avantages sociaux maintenant. Tout à fait. Vous êtes aussi, on a vu des photos de vous à New York récemment avec les enfants. Comment ça se passe, la vie familiale? Parce que dans les 2 dernières années, ça a été fou, là, votre affaire, là. Tu sais, vous étiez durant la première de ces 2 années-là. Vous étiez à Québec à tous les mois. Puis après ça, Montréal. On voyait vos enfants avec vous. Des fois, Xavier était là. Elia était toujours là. Comment on vit ça comme maman et comme belle-maman? C'est exigeant? C'est de l'organisation. Tu sais, par rapport à tout ça. Mais nous, nos enfants sont très présents dans nos événements. Oui. T'sais, encore en fin de semaine au salon de l'éveil, les enfants étaient là. Ils font partie de notre vie, ils font partie de notre réalité. On a des moments qu'on travaillait. T'sais, en fin de semaine, durant le salon, on avait des aides qui venaient nous aider au kiosque. François donnait ses conférences. Mais il y avait aussi d'autres moments où j'allais faire mon rôle de maman. Fait que là, j'allais jouer avec mes enfants, j'allais m'occuper d'eux. Le soir, c'était plus réservé un peu à la famille. Fait qu'on soupait avec des gens, mais après ça, c'était nos moments. On allait à la piscine avec les enfants et tout ça. Et depuis que Eléa est au monde, depuis que François fait ce domaine-là, ça a toujours été comme ça. Les enfants ont toujours suivi dès que c'est possible qu'ils suivent. Et je pense qu'ils sont habitués. Bon, papa, maman travaillent pendant 2-3 heures pour donner la conférence, arranger le tout. Mais après ça, c'est le fun. On se colle une pizza dans la chambre d'hôtel, on s'en va à la piscine. Et c'est un moment de famille qu'on vivrait peut-être pas autant. Tu sais, quand on est à la maison, des fois, tu vagues à plein d'occupations. Et t'as pas ce moment-là directement avec ton enfant. Tandis que là, du fait qu'on a travaillé, qu'on est à l'extérieur, ben après ça, le temps est vraiment consacré à eux. Est-ce que vos enfants vous disent des fois « Ah, je t'annais que tu travailles tout le temps, que tu sois partie. » C'est sûr qu'il y a eu des périodes où ce qu'on a travaillé plus. Fait que, veux pas, les enfants, malheureusement, ils en ont écopé aussi. Mais on essaye le plus possible de faire la part des choses. Parce que, veux pas, qu'on travaille, tu sais, François, puis on travaille les deux de la maison. Ouais. Et c'est les deux dans notre business. Fait que, des fois, c'est difficile de dire « OK, on arrête de travailler parce qu'on travaillerait tout le temps avec les projets. » Mais je pense que ça demande une discipline par rapport à tout ça. Je dis pas qu'on l'a toujours eu. On l'a échappé plusieurs fois. Des fois, c'était ma petite fille qui me ramenait à l'ordre, disait « Maman, ce serait le fun qu'on joue. » Puis là, c'est là que tu te dis « OK, t'as peur, là. » Le focus, il est où? C'est où l'importance de la famille au travers de tout ça? Puis c'est pour ça aussi qu'on est rendu avec d'autres adjointes pour nous aider à faire d'autres tâches qui sont pas nécessairement nous qu'on doit faire, mais que moi, après ça, ça me permet d'aller faire ma tâche de maman, puis d'être avec nos enfants. Ouais. Est-ce que Xavier, qui vit pas toujours avec vous, est-ce qu'il se sent parfois... pas mis de côté, mais qui aimerait être encore plus dans le cœur de vos activités, tout ça? Comment vous vivez ça? Bien, c'est certain que dès qu'on peut l'amener, parce que nous, on a une garde partagée qu'on a les week-ends, dès qu'on peut l'amener avec nous à tous les week-ends, il est avec nous. Le seul temps, dans le fond, que les enfants viennent pas à nos événements, c'est quand on anime les retraites. Et là, quand vous êtes partis 6 jours, comment on s'organise? Moi, j'enseigne pas toujours, hein. Ah. Fait que François enseigne plus souvent que moi. Fait que durant les pauses ou un laps de temps d'enseignement de François, ben moi, je m'éclipse et je vais faire mon rôle de maman. Mais est-ce que vos enfants sont pas sur le site à ce moment-là? Non.
Tu retournes de Valmorin à Sainte-Julie, tu vas jouer à la maman puis tu reviens? Ça l'arrive, mais souvent, elle est chez mon père qui est dans les Laurentides. Ah, OK. C'est pas très loin, fait okay. que je peux aller passer quelques heures avec ma fille. Après ça, je reviens pour compléter l'enseignement du soir avec François. As-tu l'impression que ces deux dernières années-là particulièrement ont contribué à moduler tes enfants différemment, les deux, je dirais, là, tu sais, parce que je regardais comment Xavier s'était ouvert, en tout cas dans ce que moi je connais de lui, je le vois pas si souvent, puis comment il était, parle à tout le monde, donne la main, il vient jaser, puis même quand j'ai connu ta fille, elle était très jeune, puis là, tu sais, elle est plus à l'aise, elle joue pour elle, c'est quasiment chez eux, le centre des congrès, là, finalement, c'est votre deuxième maison. Ah, tout à fait, tu sais, je veux dire, je veux pas les enfants, du fait qu'ils viennent dans les événements et qu'ils nous voient ouvrir en vulnérabilité aussi, ben ils font la même chose à leur manière, ouais, à eux. Ouais. Et du fait qu'ils viennent, comme Eléa, tu l'as dit, le centre des congrès, elle, pour elle, elle arrive à la maison, là, je veux dire, toutes les inspiratoires, les derniers se sont tous faits là, puis on fait d'autres événements là, ouais, aussi. Ouais. Fait que pour elle, c'est normal, puis rendu qu'elle a sa gang, tu sais, quand elle venait inspiratoire, elle disait, ma gang, vas-tu être là? Ben, sa gang, c'était nos bénévoles. C'est vrai. Puis, on va-tu souper avec la gang après? Elle était vraiment one of the boys, tu sais. Ouais. De ses 5 ans, là, elle voyait pas la différence. Ouais. Elle a ses amis, tu sais. Comme en fin de semaine, on avait plusieurs amis qui avaient des kiosques. Donc, elle se promenait de kiosque en kiosque. Elle allait passer du temps avec un, du temps avec l'autre. Fait qu'elle développe des aptitudes sociales extraordinaires. Et le bagage de ce qu'elle entend aussi, t'imagines la conscience que cette personne-là va avoir... Ah oui, parce que des fois, elle nous sort des phrases, puis on est comme, oh! On le sait que c'est parce qu'elle nous a écoutés. Des fois, on a l'impression qu'elle écoute pas toujours les conférences que François donne, qu'elle fait d'autres choses, mais tu te rends compte que des fois, par ses phrases, par son langage, que oui, il y a des choses qu'elle assimile malgré son jeune âge. Mmh. Qu'est-ce que tu souhaites pour ta fille? Eh boy, je souhaite qu'elle s'aime, puis qu'elle soit juste bien avec elle. Je me dis, si tu pars avec cette fondation-là, après ça, tout le reste se travaille. C'est ce qu'on essaie de lui donner aussi. Puis ce qu'on essaie de donner aussi à notre garçon. Ouais, ben je pense que vous réussissez très bien aussi parce que on voit dans vos enfants qui n'ont pas de... J'allais dire de bibitte, là, mais tu sais, qui ont pas de restrictions, qui n'ont pas de mal-être, puis qui sont pas des enfants turbulents, ça, c'est quand même assez wow. Hein? Parce que aux âges où ils ont, ça pourrait être la galère aussi. Hein? Ah non, tout à fait. Puis, je veux dire, sont extrêmement calmes durant les événements. Ouais. Tu sais, même nous autres, on les félicite toujours parce qu'on est surpris. C'est des enfants. Ça serait normal qu'ils courent partout. Ils sont pas comme ça chez vous? Ben, des fois, ils s'en permettent un peu plus à la maison. Okay. Mais dans les événements, c'est comme, ils sont plus posés. C'est bravo. Malgré que ma fille a fait de la gymnastique avec plein de personnes dimanche au salon. Mais non, Joanne Fontaine, oui, c'est ce que j'allais dire. Faire des roues à cause de ma fille. Ah, oh, c'est à cause de ta fille? Oui, elle lui a montré comment refaire des roues. C'est ça que j'allais dire. C'est pas, elle était pas toute seule à faire des roues. Moi, j'étais à côté du kiosque de Joanne Fontaine, puis elle en a fait des roues avec sa belle crinoline. Oui, ça venait d'Eléa. Raconte-moi comment est né le projet du magazine Inspire-toi, puis comment ça se fait que tu as pris ça en charge? Qu'est-ce qui est monté à ce moment-là pour toi? Honnêtement, c'est un autre un peu un projet de fou par rapport à tout ça, parce qu'on était comme... Ça s'est décidé au mois de juillet, puis on voulait que le magazine... Ça, je pense, c'était septembre, début octobre. Ouais, c'était un peu... Ouais. Encore un peu une fou. Fois, on n'avait pas d'article, on n'avait pas de partenaire, on n'avait rien, puis on lance ça l'été. Essayer de rejoindre du monde l'été pour qu'ils embarquent dans le projet, c'est comme... Parce que j'imagine que vous vouliez le relancer avec la première d'Inspire-toi de septembre, ouais, c'est ça? Oui, on voulait l'avoir pour l'automne. Mm. Ça a fonctionné quand même. Il y a du monde qui nous ont fait confiance, qui ont embarqué, parce que ne sachant pas ça leur ressemblait à quoi notre magazine. Même nous, honnêtement, on ne le savait pas au départ. Mais qui contactait qui? Je veux dire, c'est le brainstorming de ça. Là. En été, rejoindre, par exemple, Alexandre Jardin ou les autres qui se trouvaient dans le premier numéro. Là, tu sais, Bien, on avait les conférenciers qui venaient à Inspire-toi, fait que ce volet-là était un peu plus facile. Puis on savait qu'il y a des partenaires qui étaient avec nous depuis longtemps, qu'on a approché, puis qu'on a dit, ben voici, on lance un magazine... Gratuit, encore. Gratuit. Est-ce que t'embarques ou non? On lance à 10 000 exemplaires papier.
Ah, pas de bon sens. T'sais, on s'est dit, puis là, sur le web, puis c'est comme... Puis les gens nous ont fait confiance, puis ils ont embarqué. On a eu un beau résultat malgré qu'on ait été l'été, sauf qu'on a travaillé beaucoup. T'as pas pris de vacances, t'étais là, certain. Hein? Non, aucunement, parce que là, on avait trop de projets en même temps par rapport à ça. On est en train de refaire les sites web, le magazine. Fait que c'était vous faites les sites web à quelle fréquence, finalement? Ça a l'air d'être un passe-temps agréable chez vous. François les a refaits quelques fois. Là, on est en train de finaliser les deux nouveaux sites web. Ils sont presque que finales. Deux nouveaux? Ben, le site d'Académie Kaizen et le site d'Inspire-toi. OK. Fait que, mais le site d'Académie Kaizen, j'ai vu quelques modifications au fil des années. Mais là, sont vraiment rendus là, très, 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 très beaux. Fait que c'était un peu ça, le magazine. C'était comme un peu une idée de fou. Pourquoi c'est toi qui l'as pris en charge? C'était une idée que tu avais le goût de prendre en charge? Comment ça s'est passé? Je me rappelle plus exactement le comment que ça s'est déroulé exactement. Parce que ça, je pense que c'était-tu après le Reconnect avec toi? Oui, c'était après Reconnect. Donc, Martine s'est dit là, tu étais déjà... Oui, elle était déjà avec nous. Et je pense que c'est tombé d'emblée mon projet à moi parce que j'avais un certain besoin de me réaliser différemment de François. Mm-hmm. Tu sais, je me réalisais beaucoup au travers de tous les événements qu'on organise ensemble. Mais là, avoir ton projet. Mais le magazine, toi, c'était vraiment mon bébé à moi. Ouais. François, il regardait, tu sais, il nous aidait à la création aussi. Il avait son mot à dire aussi, oui. Mais au travers, lui, on avait déjà assez de son côté à gérer. Mais toute la logistique, je travaillais avec Martine au niveau là, du graphisme, avec Karine et tout ça aussi. On aime ça, travailler avec Martine, hein? Oui. Ah, oh, qu'on l'aime donc. On la salue. Oui. Fait que c'était vraiment me redécouvrir des facettes. J'avais jamais dirigé ça, un magazine. T'avais jamais fait ça? Jamais, là. Les éditoriaux, les publicités, on place ça comment? Fait que Martine a travaillé des heures de fou avec moi et ça... Veux pas, des fois, il était rendu 1h du matin. Là, c'était comme les fous rires. Là, on était dans les deadlines serrés. Fallait qu'on sorte le stock. On voulait que ça soit beau. Là, on reformulait. Faut que tu réserves l'imprimeur. Donc, ce deadline-là, faut pas, tu peux pas le repousser. Là. Non, on pouvait pas le repousser. Là, c'était très serré. C'est pour ça qu'on a travaillé beaucoup. Mais en même temps, ça a été une belle réalisation personnelle parce que les gens l'ont vraiment aimé, le magazine. Il est parti assez rapidement. C'était beau aussi. C'est beau, là, ce magazine-là. Vous avez fait deux éditions. Oui, on a fait deux éditions. Puis c'est un beau travail d'équipe. T'sais, les filles qui ont travaillé avec moi sur le magazine, là, c'est comme juste wow. T'sais, tout le monde pouvait aller à sa création. On s'était comme pas mis de limite par rapport à ça. T'sais, ils arrivaient avec leurs idées. C'était go. Puis des fois, c'était des super de bonnes idées. Là. T'avais une grosse équipe qui travaillait avec toi? Honnêtement, il y avait Martine Cédiot et Karine Gladu qui travaillaient comme à la conception visuelle. Fait que c'est les deux filles qui ont toutes monté le tout, là. Et là, j'avais Nathalie Côté qui m'aidait dans notre équipe, qui m'aidait aussi à recruter des gens pour créer des articles, vendre des publicités. On avait Lucie aussi dans notre équipe qui nous aidait par rapport à ça. Puis après ça, on montait tout ça, là. Tu sais, les images, les filles ont fait un job extraordinaire. Vraiment, oui. Vraiment. C'est un beau magazine. Est-ce que vous le poursuivez? Non. On a décidé qu'après deux éditions, on allait arrêter le magazine. C'est pas qu'on aimait pas ça, mais la charge de travail qui venait avec tout ça, c'était énorme. Puis on a tellement de plein de projets qu'on veut réaliser qu'à un moment donné, t'as pas le choix de faire un choix. Oui. Mais c'était ton bébé, est-ce que c'est déchirant de renoncer à ce projet-là qui t'a fait vibrer de toute évidence? Pas vraiment, honnêtement. Ça a été un choix où, à un moment donné, le fait qu'on a travaillé beaucoup dessus, qu'on a mis beaucoup d'heures, que tu veux pas, j'ai eu des sacrifices à faire en tant que maman pour être capable de sortir le magazine et de me ramener à c'est quoi mes priorités dans la vie. Un coup, tu te ramènes à tes priorités, puis tu sais que tu as plein de beaux projets qui s'en viennent. Mais on dirait que le choix, il se fait de manière naturelle. Fait que c'est pas un deuil, c'est comme, oh, on fait juste passer à autre chose. J'ai adoré réaliser le magazine avec les filles. Ça a été un beau dépassement personnel. Puis tu dis, hey, on est capable de créer ça. T'sais, on part de rien, on crée tout ça. C'est quelque chose, là. Ben, parfait, on le fait. J'en ai une certaine satisfaction. Maintenant, je suis prête à faire autre chose. Qu'est-ce que tu as appris sur toi avec ce magazine-là?
Eh boy, la gestion de moi-même. La gestion de ton stress? Oui, tout à fait. Oui. Parce que, tu sais, je veux pas au début, ben faire embarquer les gens dans le magazine, c'était quelque chose. Fait que là, on réussissait pas à vendre comme qu'on voulait vendre par rapport aux publicités et tout ça. Là, après ça, c'était la logistique de temps. Les délais, parce qu'on avait des gens qui écrivaient pour nous, mais là, eux avaient une réalité aussi. Fait que là, les textes arrivent en retard. Là, nous, ça nous retardait pour la mise en page, la correction. On corrigeait... T'sais, des fois, on corrige, puis le matin, ça part à l'impression, puis on est encore dessus la nuit. Là. Ouais. C'est fréquent chez nous, ça. Ouais. Fait qu'au travers de tout ça, apprendre à se gérer soi-même, travailler en équipe, quand t'es pas habitué de travailler sur un projet comme ça, c'est juste magique. Là. Ça fait des liens. Oui, c'est sûr. J'imagine que les liens avec Martine et avec Nathalie doivent être assez forts. Oui, tout à fait. Ouais. C'est beau parce que votre équipe de bénévoles, elle vous suit depuis le début. En tout cas, de ce qu'on voit de l'extérieur, c'est toujours vos bénévoles. En tout cas, il y a une équipe de base qui vous suit. Puis je pense même qu'il y en a parmi ces bénévoles-là que vous avez engagés. Oui. À la base, tous les gens qui travaillent avec nous, c'est des gens... qui sont venus nous voir à Inspire-toi, qu'au début, ils ont donné de leur temps, qui se sont impliqués. Après ça, ils sont arrivés avec des idées. Et de fil en aiguille, ça fait qu'on a eu besoin de ces personnes-là et qu'on les avait avec nous. Puis ça a été comme une transition naturelle qu'ils se sont mis à travailler dans notre équipe. Mmh. Mmh. Mais oui, nos bénévoles, là, c'est de l'or en barre. Là. Mmh. Oui. Même si on n'a plus Inspire-toi, en fin de semaine, j'en avais qui est encore avec moi au Salon de l'éveil. Oui, j'en avais qui était au Salon de l'éveil de Laval. Puis je sais que là, on va faire une tournée aussi avec François. Fait que je sais que quand je vais faire un appel dans les régions pour nos bénévoles, c'est sûr qu'on va avoir des gens là, qui vont encore vouloir s'impliquer. Là. Une tournée pour sa conférence sur son livre, c'est ça? Oui, la tournée pour Tout est toujours parfait. Puis la tournée Nathalie et François, c'est pour quand? Eh boy! On va commencer par faire la tournée de son livre à lui, puis après ça, on va voir ce qu'il y en est là, pour les projets. Là. Parce que là, tu sais, on part pour notre premier voyage de groupe aussi, on s'en va au Mexique. Oui, raconte. Il va avoir la tournée, il va avoir plein de choses. Fait que le reste va venir en temps et lieu plus tard. Okay. Il n'y a pas d'urgence à tout ça. Est-ce que tu as un sentiment parfois de... Ouf, on prend-tu un petit break ou non, tu... C'est sûr qu'après des salons comme celui de la fin de semaine, on est tous crevés, on se dit tous, OK, ce soir, je me couche tôt, je veux plus rien savoir. Là. Mais est-ce que parfois, tu aurais envie d'une vie plus, je vais dire, calme, là, à défaut de meilleurs mots? Mais on commence à l'avoir, cette vie-là, plus calme. Ah t'sais, oui? On a de la surprise. Yeah, oui. Honnêtement, dans la dernière année, on a travaillé vraiment beaucoup. Ouais. Beaucoup, beaucoup. Des fois, peut-être même trop. Sauf que ça nous a permis de faire les fondations de tout ce qu'on est en train de vivre présentement. Ouais. Fait que là, on peut se permettre un petit peu plus de lousse. Mais les retraites, t'sais, les gens viennent se ressourcer, mais même si nous, on les enseigne aussi, on se ressource au travers d'elles. Fait qu'on a ce privilège-là qu'à chaque un mois et demi, deux mois, on va vivre 6 jours... où ce qu'on se ramène, on fait du yoga, on médite, on parle de pleine conscience, on mange bien. Fait que c'est un break pour nous aussi en même temps. Ouais. On travaille, mais c'est tellement agréable. Ouais. Et là, on s'en offre de plus en plus du temps. À vous deux, en famille? Les deux. Ouais. Les deux, parce qu'il ne faut pas oublier le couple au travers de tout ça. Mmh. Parce que si le couple il n'est pas solide, puis il n'y a plus de famille. Non, c'est ça. Fait qu'il faut en tant que personne, qu'on se donne du temps, en tant que couple et en tant que famille. Mmh. Et là, vous allez dans le sud, au Mexique, avec un groupe de combien de personnes? On va être 39 personnes. Oh my God! Et vous allez faire quoi? Raconte-nous un peu ce que c'est, ce beau voyage-là. Vous y avez donné un nom, ce voyage-là? Je me rappelle pas. Ben, on l'appelle juste tout simplement un voyage de conscience avec François Lemay. OK. Fait que nous, ce qu'on voulait vraiment faire, c'est permettre aux gens de vivre des vacances, parce que les gens vont avoir du temps à eux aussi. Ça sera pas quelque chose là, de programmé à tous les jours, à toutes les heures. On veut vraiment que les gens puissent se déposer. Mais au travers de tout ça, il va y avoir 3 avant-midi complets où ce que François va donner de la formation au niveau pleine conscience, méditation. En plus de ça, il va y avoir d'autres moments où ce que François va faire des méditations là, à différents moments des autres journées. Et au travers de tout ça, ceux qui veulent participer, moi, j'amène le volet yoga aussi.
Fait que je vais offrir des cours de yoga durant le voyage. Mmh. Que ceux qui ça le temps de participer, ils peuvent participer. Mmh. Puis en même temps, là, on veut créer des moments pour se retrouver en tant que groupe aussi. Fait que là, les soupers, il y a certains dîners, si les gens veulent se joindre à nous. C'est vraiment un voyage où on va être présent avec les gens. Et ceux qui sont inscrits jusqu'à présent, est-ce que ce sont des fidèles d'Inspire-toi, des gens que vous retrouvez souvent dans vos retraites et tout ça? On a une grande variété. Oui. On a des gens qui sont déjà venus faire les retraites, qui tout de suite d'emblée, eux, se sont inscrits au voyage dès qu'on l'a annoncé. On a d'autres gens qui sont venus à Inspire-toi et des gens qui ont connu François en fin de semaine au Salon de l'éveil et qui ont réservé. C'est pour vrai? 4 places, oui. T'es 4 places qui te restaient, sont complètes. Oui, on est complet. On a tout vendu avec en fin de semaine. Wow! Fait qu'on a vraiment de tout. Et il y a des gens que c'est la conjointe qui suit plus François, mais que le mari vient au voyage. Et il y en a qui ont amené leurs parents. Hey. Fait qu'on a une grande variété là en tant que personne. Fait que je suis certaine qu'on va faire un très beau voyage. C'est un beau succès, ça. Vous partez le 4? On part le 9. Le 9? On part le 2. On part le dimanche. 2. Ah oui? Ouais. Bon, je t'ai reçu comme à temps, hein? Et après le voyage, il y a les retraites Kaizen. Là, je cherche mon idée sur les autres projets qui sont à court terme. Qu'est-ce qu'il y a à court terme? Ben c'est sûr qu'on a le mouvement des leaders de conscience aussi, oui. Que c'est un groupe que François chapeaute. Fait que pour eux, on organise un événement live de 3 jours là, qui s'en vient à la fin au mois de mai. Oui. Fait que ça, c'est un groupe où les gens peuvent avoir une formation parce que François n'a plus le temps de faire du coaching. Non. Fait qu'à la place, il chapeaute un groupe où il leur donne beaucoup, beaucoup de matériel, oui. Des entrevues, de la formation à l'interne. Et en plus, il leur offre un week-end de 3 jours de formation complète où ce qu'on va avoir des invités. Fait que c'est la manière qu'on a réussi à concilier oui. Un peu ceux qui aimeraient avoir du coaching, de la formation plus poussée avec François que qu'est-ce qu'il voit là au niveau du web et de la gratuité. C'est la seule solution qu'on a réussi à avoir en compromis du coaching one-to-one parce que malheureusement, François n'a plus le temps de faire ça. Je comprends. Et vous attendez combien de personnes à cet événement-là? On devrait être autour de 350. Ah, Caroline, ça va être intime. Oui. Hey, c'est encore plus petit que 400, ça. un petit groupe intime ici encore au centre des congrès. Oui, de Lévis. Encore à Lévis, oui. OK. C'est le fun, les gens de Lévis sont choyés parce que beaucoup d'activités, Académie Zéro Limite, le live, mm-hmm. Vous autres, les Inspire-toi, les salons de l'éveil, ce sont des congrès-là attirent des gros mouvements comme ça, des grosses activités comme ça. C'est fantastique parce qu'on n'avait pas ça ici à Lévis auparavant. Après les leaders de conscience, il se passe quoi? Eh hey boy, là c'est sûr qu'on a toujours les retraites qui sont en mouvement. T'sais, on en a en mai, on en a en juin. On va retourner en Europe aussi, je pense. En début juin, début François, juin. On est en train de préparer une tournée là-bas aussi parce qu'il est fortement en demande. On n'a pas eu le temps encore d'établir le tout. Le livre sort en Europe en mai, je pense. Oui, le 1er mai, le livre devrait arriver en librairie au niveau de la France. Fait que possiblement là, dans la première semaine, entre le 4 et le 8 juin, François devrait se promener là, à différents endroits. On est presque cet été au complet pour Lyon. Là, on est en train de développer pour l'autre ville. Vous allez adorer Lyon. Vous allez avoir des gens qui vont vous suivre. Oui. On a une auditrice de Lyon qu'on salue, Jocelyne, qui sera avec nous ici le 31 mai. Alors, je ne sais pas si c'est pendant ce temps-là que vous allez être là-bas, mais elle va être ici. On devrait être à Lyon le 7 juin. OK. Ah, c'est la date qu'elle retourne. Ah. On va la recevoir ici le 31 mai, qui va venir nous parler de neurothérapie, donc à partir aussi des neurosciences, la guérison des traumatismes du passé. Enfin, c'est fascinant, hein? Des projets pour Nathalie Lecas, juste pour toi, là, des choses que tu as envie de faire à travers tout ça, qui sont des projets de Nathalie. C'est sûr que l'écriture de mon livre devient quelque chose qui m'habite beaucoup. Ouais. Ça fait longtemps qu'il m'habite. Là. Je veux dire, le premier chapitre, j'ai dû le réécrire 15 fois. Mais là, on dirait que j'ai trouvé vraiment la tangente où je voulais aller. Puis je me dis, regarde, je vais tout simplement écrire, me vider tout ce qui coule à l'intérieur. Puis après ça, on verra le sens qu'on va... On va finaliser le tout. Mais... Ça pousse fort à l'intérieur de moi là, de vouloir écrire. Tu vas écrire sur quoi? Sans tout révéler, là, tu racontes ton histoire, tu racontes une histoire? Ben pour l'instant, mon titre du livre, c'est « Peur de vivre ». Oh, ça parle beaucoup, hein?
À moins que ça change encore en cours de route, mais pour l'instant, c'est vraiment ce qui a monté très fort par rapport à ça. C'est sans être nécessairement mon histoire, mais c'est une histoire. Mmh. Ce n'est pas un livre comme François a écrit, là, tu sais, avec plus concret. Mmh. Mais moi, c'est vraiment au fil de des personnages que j'amène le développement personnel et comment j'ai pu passer au travers de différentes choses, mais sans relater, là, c'est pas une biographie là, de ma vie, là, c'est comme, mais je relate des événements de vie romancés. OK. Mais romancés aussi à la manière de tous les hamsters qui m'habitent. C'est-à-dire? T'sais, avec tout le dialogue que je peux entretenir à l'intérieur de moi. Fait que c'est pas juste une histoire qu'on peut voir comme de l'extérieur, qu'est-ce qui se passe, mais aussi de ce que le personnage vit vraiment à l'intérieur. Okay. On va pouvoir lire ce que le personnage pense. Oui, un peu à style d'un Ally McBee, là, mm-hmm. la série qu'on avait, là, un peu dans cette lignée-là que j'ai commencé à écrire. T'en es rendu où? Eh boy, j'ai comme plusieurs bouts d'écrit. C'est comme, mais pour l'instant, il n'y a pas la suite nécessairement de tous les bouts. Okay. Comment tu fais pour trouver du temps pour écrire? Disons que l'écriture vient plus facilement quand je suis en contraction. C'est vrai? Fait que les moments où il y a une résistance, c'est ces moments-là que je vais m'accorder vraiment plus pour écrire. Parce que dans les moments où ça va super bien, on est dans la frénésie de toutes les activités, je prends pas nécessairement le temps d'écrire. Et tu vises à faire une carrière d'auteur? Eh boy, pas nécessairement. C'est comme, j'écris pour moi, pour l'instant. Et je vais voir après, même si je vais le faire lire à d'autres personnes ou si je vais le publier. C'est pas nécessairement le but final de le publier. T'sais, pour l'instant, je suis vraiment à la croisée des chemins où ce que j'ai appris à me redécouvrir. Je suis bien avec moi, je suis bien avec ma vie. C'est sûr qu'à un moment donné, il va y avoir des décisions qui vont s'imposer dans ma vie, savoir ce que je vais faire au niveau professionnel. Ouais. Mais j'ai encore un bon laps de temps devant moi. Oui, ton test sabbatique finit en avril l'année prochaine. Fait que je ne veux pas me mettre une pression inutile pour l'instant. Je veux juste me laisser vivre. Ouais. Puis je sais que les réponses vont venir d'ici février. Mm. Puis souvent, les réponses sont là, c'est juste qu'on ne veut peut-être pas les écouter. Et qu'on... C'est le côté rationnel, émotif embarque, il y a plein de choses. Mais je me laisse vraiment du temps. Fait que c'est pour ça que je ne veux pas mettre de pression avec mes projets. Pour l'instant, ce que je fais, tu sais, la structure derrière François, l'organisation, j'aime ça. Fait que je suis bien. Fait que j'ai pas besoin de me poser de questions. J'ai pas besoin d'être sur la scène comme mon chum. Tu sais, moi, je suis bien, tu sais, comme pas effacée, mais à côté ou à gérer le tout. Là, j'ai pas besoin d'avoir le projecteur nécessairement. Parce que ça fait quand même beaucoup de choses à gérer. Puis là, vous avez plein d'autres projets. Est-ce qu'il y en a que tu peux me parler? Un scoop, mettons. Hey boy. On est une belle petite radio communautaire de Lévis. Bien, c'est sûr qu'on a parti à un nouveau programme qui est Train the Trainer. Fait que François est en train de former une communauté, des enseignants au niveau de la pleine conscience. Fait que ça, c'est un nouveau projet qu'on vient de partir. Fait que c'est sûr que ça, c'est un super beau projet. Parce qu'on a beaucoup de demandes au travers des écoles au niveau de la pleine conscience. Ouais. Puis malheureusement, on peut pas se dupliquer partout. Fait qu'on aimerait ça créer des ambassadeurs qui, eux, puissent aller partout pour parler un petit peu de pleine conscience puis tous les bienfaits que ça peut amener aussi au niveau des enfants, des adultes et des parents. Fait que ça, c'est un projet qui nous tient à cœur, qu'on va débuter, là, qui est déjà un petit peu débuté, que les événements live sont plus au mois d'avril. Fait que c'est sûr qu'il y a ça, il y a leader de conscience, il y a les retraites, il y a les voyages. On est déjà en train de penser peut-être à d'autres styles de voyages qu'on aimerait ça ouvrir éventuellement suite au premier, là. Et peut-être faire quelque chose aussi en couple. Ouais. Mais au travers de la tournée et tout ça, faut qu'on prenne du temps aussi pour le couple, la famille, nous-mêmes. C'est pour ça que je dis une chose à la fois. Jusqu'à cet été, là, on est extrêmement remplis. On veut vraiment passer un été en famille, prendre des vacances qu'on n'a pas pris l'année passée. Puis après ça, avoir le temps de dire c'est quoi qu'on veut pour cet automne. Parce que là, actuellement, vous n'avez pas de projet défini.
Un petit sourire en quoi? Des gros projets pour l'automne ou des petits projets pour l'automne? Parce que j'imagine que quand on arrête Inspire-toi, il y a comme un gros trou dans notre agenda qui se crée. Tu sais, c'est comme un vacuum. Tu dis, OK, c'est le fun, ça va nous donner du lousse. Mais en même temps, vous connaissant, vous allez remplir ça par quelque chose d'autre. Là. C'est déjà rempli. C'est déjà rempli. Puis tu veux pas nous en parler? Mais c'est plein de projets qu'on veut continuer, qui existent déjà présentement, mais qu'on veut laisser plus de temps. T'sais, c'est certain, comme François, sa tournée, on veut vraiment avoir le temps d'aller en région, de se promener partout au travers de ça. Puis en enlevant Inspire-toi, c'est sûr que ça nous donne un peu de lousse pour nous permettre d'aller voir les gens aussi. Oui. Les commentaires que tu entends le plus souvent de la part des gens qui viennent comme en fin de semaine au Salon de l'éveil ou lors des soirées Inspire-toi, des commentaires pour toi, là, c'est quoi qu'on entend souvent? Bien, j'ai souvent des remerciements pour être là, pour accompagner François, pour organiser tout derrière. C'est parce que ça, c'est plus mon bag. T'sais, François est sur la scène, tout l'aspect marketing, on lui laisse l'info là-dedans. Ouais. Mais tout le côté un petit peu plus structure, organisation, réserver, setup, ça, c'est vraiment mon mandat à moi. Puis les gens le savent maintenant. Fait qu'ils savent qu'on fait une équipe. Mm. Tu sais, de part et d'autre, moi, je serais pas là s'il était pas là. Mais François, si j'étais pas derrière à organiser certaines choses, il y a des fois des événements qui... Ça serait difficile. Tu sais, comme toutes les retraites, c'est tout moi qui gère tout ça. François vient animer. T'sais, c'est vraiment un travail d'équipe. Mm. Les gens, maintenant, ils le reconnaissent. Mm. Est-ce que c'est difficile, justement, d'être... celle qui est plus à côté, qui organise, puis tout ça, puis, tu sais, tu dis que j'ai pas besoin d'être sur la scène, mais en même temps, t'as senti reconnue à ta juste valeur? Oui. Oui? Oui, j'ai eu un défi par rapport à ça, plus au début. Oui. Mais j'ai pas besoin, moi, d'être sur la scène. Ouais. Tu sais, je suis bien, tu sais, même à la limite, des fois, ça me rend plus mal à l'aise d'être devant que de m'occuper de tout derrière. Fait que maintenant que je le sais... où ce que je suis bien, mais je me respecte au travers de tout ça, puis je reste dans ma zone à moi. Mmh. Vous avez parlé lors de la conférence, puis tu l'as mentionné tantôt, et je voulais y revenir, tu sais, toi, tu vivais plus dans le passé, disant « ça n'a jamais marché, tes choses », puis François est plus dans le futur, « voici où je m'en vais ». Puis vous avez dit tous les deux, tu l'as redit tout à l'heure, tu sais, quand on est dans le moment présent, on est bien. Mmh. Est-ce que toi, tu arrives à être dans le moment présent en pleine conscience la plupart du temps? Comment tu le vis, ça, toi? De plus en plus. Tu sais, je veux pas... on l'enseigne, on l'incarne de plus en plus. C'est sûr que des fois, on l'échappe. Mm. Tu sais, on est humain, ouais, comme tout le monde. Mais on est capable de se ramener vraiment à dire, bon, ben c'est quoi qui se passe dans mon corps? C'est quoi comme émotion? Tu sais, juste la conférence que j'ai donnée avec François en fin de semaine, en temps normal, j'aurais été super stressée avant, j'aurais pas dormi. J'aurais été à la limite très désagréable avec mon chum, si je me connais. Ouais. Puis là, c'était comme easy going. C'était, tu sais, on verra. On verra. Puis je vais juste observer. Ah, OK, dans mon ventre, c'est comme ça. OK, je me sens comme ça. Ma respiration est comme ça. Bien, ça faisait que je me prenais moins au sérieux. Puis le stress passait mieux. Fait que de plus en plus, j'essaie toujours de me ramener au moment présent. C'est sûr que je l'échappe, que je pars passé, futur, moi aussi. Mais. J'ai un chum qui m'aide, là. J'ai pas tout le mérite, là, mais je pense que c'est ça qui fait que je suis plus sereine avec tout ce qui se passe, puis j'essaie de moins m'en faire avec ce qui risque de s'en venir dans l'avenir. Plus confiance en l'avenir. Tout à fait. Confiance en toi, confiance en ton chum, confiance en la vie aussi à travers tout ça. Mm-hmm. Mm. Est-ce qu'il y a des... est-ce que, quand on entend les commentaires, parfois, il y en a pas... En tout cas, on n'en voit pas beaucoup, mais... Il y en a eu quelques-uns, parfois, des commentaires difficiles sur François, durs même. Comment on vit ça quand on est celle qui l'aime? Honnêtement, je prends ça plus difficile que lui. C'est vrai? Lui, il vit bien avec ça. Moi, le pitbull en moi a tendance à vouloir sortir. Mais j'apprends de plus en plus à faire la part des choses par rapport à tout ça. Tu sais, on peut pas plaire à tout le monde. Mm. Autant à lui, autant que moi. Puis tout le monde a le droit à son opinion par rapport à nous. Puis si je mets trop d'énergie là-dessus, ben c'est moi qui se gâche la vie. Mm. Tu sais, je veux dire, on reçoit un commentaire négatif, on en reçoit peut-être 100 positifs en même temps. Mm. Fait,
c'est juste une question de où tu mets ton focus. Tu sais, si tu fais juste focusser sur le commentaire qui est plus négatif, ben, t'empêches toutes les autres 100 beaux commentaires de te faire rayonner. Ouais. Fait qu'il faut plus mettre notre accent là-dessus. Puis à un moment donné, il faut faire la part des choses aussi. Tu sais, c'est comme... Les commentaires ne m'appartiennent pas. Les personnes l'ont dit. Ça, c'est à moi de dire est-ce que je le prends ou je le prends pas. Quand ton chum est passé au franc-tireur, comment tu as vécu ça? Ben c'est sûr que j'ai trouvé qu'il laissait pas beaucoup de place pour s'exprimer par rapport à tout ça. Mais déjà, d'emblée, on par le type d'émission, on savait que... On se doutait possiblement comment que ça allait se passer, mais c'est, tu sais, il veut pas le reportage, les images de Trump ou François qui est sur la scène. On le voit où ce qu'il voulait amener leur auditoire. Ouais. Tandis que tout ce que François offre, c'est différent. T'étais avec lui lors de l'enregistrement? Non, j'étais pas là. Puis quand t'as vu ça, qu'est-ce que ça, comment tu vis ça? Tu dis, tabarouette, c'est dur, ça, c'est un, je dirais pas c'est de la mauvaise foi, là, mais tu sais, à la limite, c'est comme vouloir lui donner une apparence qui est peut-être pas nécessairement la réalité tout le temps. Hein. Oui, c'est sûr que ça a bouilli en dedans de moi, là, c'est comme... Mais ça fait partie de la game aussi. Tu sais, je veux dire, François s'est rendu une personnalité publique. Fait qu'il faut s'attendre aussi que ça vient avec son lot de reportages comme ça. Mais au bout de la ligne, il s'en est bien sorti. Oui, l'émission a bien passé. Puis les répercussions, les gens, tu sais, le sentiment d'appartenance des gens qui suivent déjà François suite à cette émission-là, on dirait qu'ils sont encore plus rendus des défenseurs de François. Ah oui. Ça a eu un impact plus positif que négatif. Tout à fait. Le mouvement de gratuité que vous avez créé, qui a dérangé beaucoup aussi dans le domaine des conférenciers, parce que là, des conférenciers qui disaient, ben là, nous, on a de la misère à vendre nos conférences parce qu'il y en a plein qui sont gratuites. Comment tu réagis par rapport à tout ça? Ben, c'est certain que ça a amené à un changement. T'sais, un changement de paradigme, à tout le moins. Hein? Oui, tout à fait. Mais notre intention était vraiment d'aider les gens. Puis les gens... T'sais, du fait que François, quand il a vécu sa faillite, il avait besoin d'outils à ce moment-là, puis il n'y avait pas une scène pour les avoir, ces outils-là. Fait que, ils doivent être accessibles aussi à tout le monde. C'est pourquoi que François, il donne vraiment beaucoup. Puis c'est pourquoi le but de ces soirs-là, qu'on voulait qu'ils restent absolument gratuites. Parce que les gens qui en ont le plus besoin, souvent, ils n'ont pas les moyens. Fait que si on pouvait leur offrir des outils concrets de l'aide... Puis qu'après ça, eux sont capables de s'en sortir. Puis ils ont peut-être des enfants que ça va impacter sur leurs enfants. Ces enfants-là vont peut-être être à l'école avec mes enfants. Ben c'est une chaîne. Fait que ça a juste du positif. Faut pas s'attarder aux commentaires disant ben c'est encore gratuit. Il en faut de la gratuité parce que c'est pas tout le monde qui a les moyens de s'offrir des ateliers ou des conférences de fin de semaine. Puis tu sais, les gens qui peuvent pas se déplacer, tu sais, je veux dire, François, sur son YouTube, je pense qu'il y a 160 vidéos de formation, de matériel que les gens peuvent écouter à partir de la maison. Et toi, est-ce que tu vas en faire des vidéos? Non. C'est un nom assez spontané, ça. Non, c'est pas quelque chose qui te enseigne le yoga sur vidéo, non? C'est pas pour l'instant. Bien honnêtement, pour l'instant, j'ai fait une capsule, puis c'est pour le garçon de Martine. Parce que j'avais une demande de Martine pour son garçon. Fait que c'est la seule capsule vidéo qui existe. C'est pour mon ami Nicolas. Et ça a déjà été une énorme sortie de zone de confort, sachant même que c'était juste eux qui allaient l'avoir. Je dis pas qu'il n'y en aura peut-être pas jamais, mais pour l'instant, j'ai encore une barrière à franchir. Tu sais, la barrière de la caméra est encore très imposante. Oui, dérangeante aussi un peu. Hein. Si tu avais une conférence à donner, là, toi, on te demande de donner une conférence, un organisme quelconque t'appelle, on veut absolument vous avoir. Puis tu dis oui. Ta conférence porterait sur quoi? Je pense que ça sera au niveau de l'interaction avec les enfants. Oui. Sur comment qu'on peut déjà les amener, même quand ils sont tout petits, à avoir une manière de penser qui est différente. Fait que je pense que ça serait vraiment en lien avec l'amour de soi pour les tout petits. Et moi, j'ai juste envie de dire, mais pourquoi tu fais pas ça?
parce que je trouve que c'est venu assez spontanément ce que tu dis. On voit que c'était, ça a monté tout seul. Il me semble qu'il y a quelque chose justement à faire là. Je dis pas que ça arrivera pas. T'sais, c'est sûr que c'est un genre de projet qui me trotte dans la tête avec Reconnecte avec toi, ouais, en plus que ouais. Le livre pour les enfants. Mais il y a toute l'organisation derrière tout ça. Fait que, oui, c'est un projet qui va peut-être arriver un jour, mais que pour l'instant, comme qu'on disait, le temps est un gros facteur. Mm. Puis là, on va essayer de faire du temps pour après ça voir est-ce que je me sens bien au travers de tout ça et comment c'est réalisable. Mm. Dans tout ce que tu fais actuellement, où est-ce que tu te sens le mieux? Dans les retraites ou chez toi? Mais ça m'apporte tout du bon. Tu sais, je veux dire, les retraites, j'adore ça, enseigner là-bas. Mm. Les participants, tu sais, les participants n'ont aucune idée à quel point ils m'apportent aussi. Mm. Parce que, veux pas, nous, on les voit évoluer. Il y en a qui nous partagent des choses. Ils sont pas obligés de partager s'ils veulent pas partager, là, mais il y en a qui nous partagent des choses. Puis tu vois que tu as eu un impact sur eux, c'est juste wow, tu sais. Mm. Fait que ça, c'est un gros plus que j'aime dans ma vie, mais aussi toute l'organisation, aider à structurer les choses pour être capable que nos événements fonctionnent, bien ça, c'est un autre challenge que j'aime. Mm. Et j'ai comme plusieurs choses plusieurs dans ma volets. Vie qui m'alimentent, qui me donnent du positif, puis j'ai aussi mon aspect famille à moi. Mm. Tu sais, mes enfants, mon chum, c'est des moments importants avec eux, là. Parce que ce que je trouve touchant dans ce que tu dis, c'est à quel point toi aussi, tu as une grande influence sur les gens. Ne serait-ce que par ton calme, par ta disponibilité, par ta présence, puis tu sais, par ton enseignement de yoga lors des retraites Kaizen, il va bien falloir que j'y aille à un moment donné. J'ai hâte, et c'est moi aussi j'ai besoin de créer du temps. Tu as ce don-là aussi. D'apporter quelque chose. C'est une vision que j'ai moi, mais que tu pourras contester. Là, j'ai l'impression que tu es comme juste à l'orée de ce qu'on va voir de Nathalie Loca. C'est une fleur de lotus qui commence à rouvrir. Là, j'ai l'impression qu'il y a plein de choses encore davantage concrètes. Et non pas juste dans l'organisation, je m'excuse pour le juste là, mais tu comprends ce que je veux dire. Tu sais, il y a une richesse à l'intérieur de toi dont le monde a besoin, puis tu y vas petit à petit, mais j'ai l'impression que quand ça va bloomer, quand ça va s'épanouir, ça va être quelque chose. C'est parce que tu touches déjà à ça. Oui, t'as visé vraiment juste et tranquillement je le laisse ouvrir, tu sais. Juste la conférence ce week-end, c'était gros pour moi, tu sais. Ouvrir sur ma vie. Tu sais, j'étais habituée que François parle de notre vie, puis notre vie, pas mal tout le monde commence à la connaître. Mais que moi, j'arrive avec des facettes, tu sais, comme tout à l'heure, on a parlé de mon père, on a parlé de mon métier. Tu sais, le partage par rapport à tout ça, je suis pas nécessairement encore à l'aise avec tout ça. Je commence à être capable d'en parler, d'ouvrir ma vie, parce que j'ai toujours la crainte que quelqu'un se serve de ça contre moi. Puis tranquillement, ça se dissipe. Et je commence à être capable, tu sais, juste de venir ici. C'est ma prochaine question. Juste de venir ici, c'était quelque chose. Tu sais, j'en refuse beaucoup d'événements comme ça. Qu'est-ce qui a fait que tu as accepté de venir ici? C'est toi, tout simplement, parce que tu sais, t'es une amie et j'avais une confiance que t'allais pas m'amener sur des territoires où ce que je voudrais pas aller, puis que j'allais juste être, ça allait juste couler, j'allais juste être bien. Mm. Fait que pour l'instant, je me laisse vraiment surfer à des endroits où je suis bien, puis que tranquillement, je suis capable de sortir de ma zone, d'avancer, puis un coup que je vais avoir avancé, puis ok, c'était pas si pire, ça a bien été, ok, je vais me permettre un deuxième pas. Je sais pas où ce que ça va m'amener, tout ça. Mais j'ai pas une urgence d'avancer. T'sais, j'avance à petits pas, mais les petits pas que je fais, je suis bien avec. De l'extérieur, d'où je me trouve, j'ai l'impression que la vie, elle te pousse de plus en plus. T'sais, la conférence en fin de semaine, ta présence ici à la radio ce matin, l'an dernier, en septembre, l'été dernier, t'sais, le magazine... Il y a beaucoup, tu sais, comme dirait notre ami Rémi Tremblay, tu sais, la vie, elle vient te chercher, là, tu sais, elle vient dire, Nathalie, on a besoin de toi aussi pour illuminer ce monde, tu sais. As-tu le goût de dire oui à tout ça?
oui, j'ai le goût de dire oui, mais en même temps, tu sais, il y a les peurs, il y a tout qui embarque. Fait que c'est pour ça que je fonce en ayant un pied sur le gaz, un pied sur le break en même temps. Là. c'est un challenge que je dois apprendre aussi à gérer à mon niveau. Mais j'ai de plus en plus le goût de foncer. Mais de foncer pour ce que je veux vraiment et non ce que les autres attendent de moi. Ah, c'est beau ça. Qu'est-ce que tu as envie de faire comme différence? C'est pas nécessairement être capable de faire une grosse différence à grand impact, mettons, comme François. Mais moi, ce que je souhaite le plus, c'est que quand je rencontre les gens, puis qu'on se regarde, puis qu'après qu'on se soit vu, ben que j'ai eu un impact dans leur vie à eux. Qu'ils sortent et qu'ils repartent différents. Oui, que ça soit juste parce qu'ils se sont sentis écoutés, regardés peut-être pour une fois. Même si ça n'a pas été une longue discussion, mais qu'ils sentent que j'étais toute là avec eux, ben c'est ça que j'ai le goût d'amener. Ça n'a pas besoin d'être gros. C'est de faire en sorte que la personne qui nous quitte, il y a quelqu'un m'avait donné ce conseil-là au tout début de ma carrière en affaires de consultante. Fais en sorte que la personne que tu interviews, par exemple, dans le cadre d'entrevue de sélection, là, ne reparte jamais plus petite que quand elle est rentrée. Puis ça m'a toujours resté. Puis ça a comme guidé tout le reste de mes rencontres, de mes entrevues. Puis je trouve que quand on fait ça, c'est là qu'on est présent à l'autre. T'sais, quand des fois j'étais avec des clients qui essayaient de coincer le candidat, puis j'aime pas ça. T'sais, moi, je veux avoir le meilleur du candidat qu'on a là. Je veux avoir le meilleur de mes invités aussi. T'sais. Je vois pas le plaisir à coincer quelqu'un ou à manipuler pour avoir de l'information dont je me servirais contre lui ou elle là, par la suite. T'sais. Puis je pense que ce que tu illustres aussi, puis ce que tu apportes aussi, c'est ça. T'sais, moi, j'observe beaucoup. Puis quand je te vois aller là, lors d'événements comme ça, tu sais, t'es là pour tout le monde. Tu sais, t'es là pour ton chum, évidemment. Mais tu sais, tout le monde peut aller te parler. Tout le monde peut être. Tu sais, t'es une personne très accessible. T'es toujours souriante. Tu sais, même quand t'es stressée. Tu sais, je trouve que tu remplis déjà bien cette mission-là de faire une différence. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour l'avenir, pour toi? Tout simplement que je continue le travail que j'ai amorcé. T'sais, face à moi-même, face à mes sorties de zone. Tout simplement. C'est juste de continuer d'être bien puis de suivre ce qui vibre à l'intérieur. Et comment tu te vois dans 10 ans, 20 ans? Eh boy, c'est une question... Fait qu'elle est dans le passé, oui. Oui, puis avec tous les projets que François a je suppose qu'on va être dans 10-20 ans. Mais, je sais pas, dans 10-20 ans, je souhaite être encore aussi la même personne que je suis là. Tu sais, que tout ce que... Tu sais, veux pas, ça l'amène un brouhaha dans la vie, la popularité du conjoint. De rester aussi sereine, stable et bien avec moi-même au travers de tout ça et de tout ce qui s'en vient. Tu sais, que j'ai présage qui s'en vient. Et juste de continuer d'être moi, d'être avec ma famille, d'être bien, tu sais, de pas me prendre trop au sérieux. Est-ce que c'est un défi, ça, pour toi, de continuer d'être bien? Parce que là, on voit que le mouvement s'accélère, là, quand même. Ben, mon plus gros défi, je pense, c'est de pas trop me prendre au sérieux. C'est vrai? Non, j'ai tendance à retomber dans un cadre rigide. Fait qu'il s'estompe au fil du temps. Là, Un côté perfectionniste, les choses doivent être faites de cette manière-là, dans ce temps-là. Puis... Tout à fait. Fait que juste de plus... tu sais, de laisser plus entrer la spontanéité, la vulnérabilité, de m'ouvrir aux gens sans toujours avoir la crainte que ça se retourne ou... juste de dire que oui, il y a du bon monde autour de moi puis que je peux tout simplement faire confiance à la vie. Là. C'est comme si tu avais une blessure de trahison que tu traînais avec toi. Hein? La peur d'être, tu sais, que les gens se retournent ce que tu dis contre toi. Mais c'est... Peut-être que oui, tu sais, je peux pas nécessairement dire
d'où ça pourrait venir, c'est peut-être le fait que, tu sais, que je vois l'impact que des fois des messages que François peut recevoir, puis que je n'ai pas le goût de vivre ça, là. Non, je comprends. Pas pour toi. Ben, personne n'a le goût de vivre ça non plus, mais comme tu disais tantôt, tu as appris à lâcher prise beaucoup aussi là-dessus. Tes défis à toi, à part te prendre au sérieux, ce serait quoi? Juste de me laisser éclore, comme tu as dit tout à l'heure. De me permettre ça. Mm. Tu sais, de dire, OK, regarde, ça fait peut-être pas un sens pour l'instant, c'est... Mais, tu sais, on suit le feeling, tu sais, comme juste d'être ici, pour moi, c'est un non-sens, tu sais, je veux dire, j'étais là, qu'est-ce que pourquoi qu'elle me rencontrait moi, tu sais, je veux dire, moi, je suis la blonde de, tu sais, souvent, je t'associe en étant la blonde de. T'es pas tannée de ça? D'être associée, je veux dire, pas d'être la blonde de. François, on t'entend penser jusqu'ici, là. Ben, de plus en plus, les gens me voient, tu sais. Puis, je suis pas nécessairement juste la blonde. Tu sais, les gens qui... Non, tu n'es pas juste ça, mais... Les gens qui sont plus proches de nous ou qui commencent à être plus présents réalisent vraiment où aller ma place. Mais moi, je trouve ça encore drôle, tu sais, les gens... Tu sais, je suis capable de voir quand l'intention est saine comme la tienne, de vouloir me voir pour moi, et non vouloir me voir pour étant la blonde d'eux. Ouais, ouais. Ça paraît chez les gens, l'intention. Fait que des fois, c'est ça que j'ai un petit peu de misère avec certaines personnes. Tu aimerais qu'on se rappelle de toi comment? Une fois que tu auras quitté ce monde, tu voudrais qu'on dise de Nathalie Lecoq qu'elle était. Trois petits points. Que j'ai réappris à vivre. Oh, mon Dieu, j'ai des frissons. Waouh! Ouais. C'est très touchant ce que tu viens de dire. Ça pourrait être le titre de ton livre. Peut-être. On a tous les deux les yeux dans l'eau, là, ici, en ce moment, là. C'est, tu sais, ce qui monte des fois dans des questions qu'on n'attend pas, hein. C'est souvent ce qu'on porte le plus, puis qui est prêt, là, à éclore. Je te souhaite ça, je pense que tu es en train de le faire aussi, réapprendre à vivre, puis à savourer chaque moment. T'imagines ce que tu offres à tes enfants, ce que vous offrez là tous les deux, ce que tu offres comme maman à tes enfants, cette guérison-là, en direct, que tu es en train de faire pour eux, avec eux, pour eux, pour toi aussi. Oui, parce qu'on dit souvent que les enfants, tu sais, reproduisent ce qu'on fait, non ce qu'on dit. Ils reproduisent ce qu'ils sentent aussi, On ne soupçonne pas. Moi, j'ai des grands-enfants maintenant, puis on ne soupçonne pas à quel point ils nous sentent, même petits, là, qu'ils nous devinent, même si ça n'était dérangeant des fois. Ah, oh, tout à fait. Ouais. Moi, je sais que ma fille est connectée, là. C'est assez incroyable. S'il y a quelque chose qui brasse à l'intérieur, elle le sent tout de suite. Qu'est-ce qu'elle fait dans ce temps-là? Est-ce qu'elle joue à la maman avec toi? Oui. C'est vrai? Ah oui, elle vient, elle me flatte les cheveux, elle me fait un câlin... Wow. C'est comme si elle était capable de me lire. C'est extraordinaire. Hein? Tu as fait ça aussi pour ton papa? Oui. Hein? C'est bien. Hein? La pomme ne tombe pas tellement loin du pommier. Sur une note plus légère, qu'est-ce qu'on ne sait pas de François Lemay, puis tu aurais le goût de nous dire? Il te met tellement souvent sur la sellette sans que tu aies un mot à dire. Hein? François, c'est ton tour, là. Hey boy! On a-tu une journée? Je sais pas pourquoi elle a l'air de se retenir. Non. Non, mais honnêtement, là, mon chum, il est tellement traîneux, là. Ah, c'est vrai? Lui, je pense... Bonjour, mon amour. Mon chum s'imagine que la malle à linge, c'est le plancher à côté de son lit. OK. Puis qu'il y a des petits elfes la nuit qui viennent ramasser ça, là. Oui, les lutins de Noël viennent remettre ça dans le panier. Fait que c'est un peu un running gag. Puis c'est drôle parce que François, il enlève toujours ses bas. Quand il arrive à la maison, il enlève ses bas. Là, les enfants ont commencé à faire ça. Fait qu'il y a plus de bas fait sur que le plancher. Partout ce que tu regardes, il y a des petits bas de cachet en dessous des divans, en dessous des escaliers.
Il manque tout le temps l'ami. Ben oui, ben il oui. Est caché quelque part dans la maison. Fait que c'est vraiment une petite manie que, qu'il a donnée aux deux enfants. Là. Ah oui? Fait que ça fait trois fois des paires de bas ramassés, c'est ça? Oui. Okay. C'est des petites manies cute, mais que des fois, t'es comme, chérie, il est bas. Est-ce que tu te vois... C'est sûr qu'on peut pas prédire l'avenir, mais est-ce que tu te vois vieillir avec François? Ah, tout à fait. Ah oui? Il n'y a même pas un doute par rapport à ça à l'intérieur de moi. Là. Wow! Tu te vois faire quoi? Mettons que vous êtes à votre retraite là, tous les deux. Je sais pas si vous en prendrez une un jour, là, mais... Je pense qu'on va souvent être partis à découvrir le monde. Mmh. Vous aimez voyager tous les deux. Ah oui, c'est vraiment une de nos passions aux deux. Découvrir tout ça. Puis moi, j'ai eu l'occasion de faire plusieurs voyages sac à dos. Ah oui? Fait que je veux revivre ça. Fait que c'est certain que je vais l'initier à un moment donné. Mmh. Où es-tu allée? J'ai fait la Thaïlande, le Vietnam, la Chine, le Pérou, l'Inde. En sac à dos? Oui. Wow! Elle me dit ça en fin d'entrevue. Hé, misère! T'es parti en sac à dos, t'as fait tout ça, tout ce que t'as découvert à travers ça, le yoga, ça devient de ces voyages-là, de l'Inde? Non, pas nécessairement. C'était vraiment plus une découverte des cultures, des peuples, un challenge aussi, parce que des fois, je suis partie avec d'autres gens, d'autres fois, je suis partie toute seule. Fait que c'est un dépassement de soi de dire, OK, je m'en vais dans un autre pays toute seule avec mon sac à dos, puis... Pour une fille qui aimait beaucoup contrôler, c'est quelque chose, là, partir en sac à dos quand on est seul dans ce type de pays aussi où c'est pas la même culture que nous. Là. Mais ça, l'aspect voyage, c'est totalement autre chose. T'es une autre Nathalie quand tu voyages. Ça, c'est vraiment, je sais que j'atterris à tel aéroport, telle date et que je repars à tel aéroport, telle date. Il faut que je me rende entre les deux. OK. Le reste, c'est comme je rencontre des gens, je découvre, ils me parlent d'endroits, ce serait le fun d'aller découvrir, ben je m'en vais vers là, tu sais, puis je me laisse vraiment guider par rapport à tout ça. Mmh. C'est quoi, qu'est-ce que tu as vécu qui t'a le plus marqué à travers ce voyage-là, tu dirais? C'est vraiment toute la culture, les gens qu'on rencontre, les gens qui sont accueillants. T'sais, je veux dire, il m'est arrivé des histoires à bracadabrande que tu dis, j'aurais pu ne jamais revenir au pays, t'sais, avec des endroits où je me suis ramassée dans une maison en tôle, dans un taudis au Vietnam, avec du monde à boire un thé, je comprenais rien. Ouais. J'aurais pu avoir n'importe quoi dans mon verre, t'sais, je veux dire. Mais c'était des moments uniques que je vivais avec les gens à ce moment-là. Mmh, mmh. Ça, ça n'a pas de prix, là. Mmh. Ça change quelqu'un aussi, ça, non? Oui. Mm. Puis tu sais, c'est de se faire confiance, que dire que oui, c'est possible. Tu sais, qu'on n'est pas toujours obligé d'attendre après quelqu'un pour faire des choses. Pour voyager, pour faire des choses. Qu'est-ce que tu dirais si ta fille à 18, 19 ans, dimanche, je m'en vais au sac à dos, en sac à dos en Inde, au Vietnam, en Chine? Il y a une partie de moi qui aurait la chienne. Oui. Mais il y a une autre partie de moi qui dirait « go ». T'sais, parce que moi, c'est dans les plus beaux moments de ma vie, mes voyages. Mm. Fait que je demanderais juste, mais maintenant qu'il y a Internet, écris-moi régulièrement pour me dire à peu près t'es où. Mais s'il y a quelque chose qui doit arriver, ça va arriver, qu'elle soit à l'autre bout du monde ou qu'elle soit tout ici. Tout à fait. Tout à fait. Parfois, on pense au terrorisme, on a peur d'aller à certains endroits, mais en même temps, quand notre heure est venue, ça peut être au coin de la rue chez nous. Hein. C'est pas obligé d'être dans un endroit qu'on considère plus dangereux, mais qui ne l'est peut-être pas nécessairement. Tout à fait. Mmh. On te souhaite quoi pour la prochaine année? Ah, juste de vibrer. Plein de belles choses. Mmh. En tout cas, je tiens à te dire que tu nous as fait vibrer aujourd'hui beaucoup. J'espère que les auditeurs et ceux qui vont nous écouter en rediffusion, en podcast, vont découvrir la belle Nathalie Leca que j'ai devant moi. Je trouve ça très drôle parce que, très drôle, c'est très touchant parce que depuis le début de l'entrevue, tu t'ouvres de plus en plus. Ça aurait pris 4 heures finalement. Tu sais, c'est ce que j'aime de toi. T'es comme un trésor à aller découvrir, tu sais. Puis je pense que quand on se donne la peine d'y aller, on découvre quelque chose de fantastique. Puis, François Lemay, c'est toi qui es chanceux d'être avec Nathalie Leca. Et je te souhaite le meilleur dans tout. Je te souhaite de continuer à t'épanouir, puis surtout
d'offrir ça au monde, cette belle lumière-là que tu portes en toi, parce que je suis convaincue que le monde en a besoin de cette lumière-là. Puis je te remercie aussi pour tout ce que tu fais, pour toute cette ce don de soi-là que tu as avec ta famille, avec ta fille, avec Xavier, avec François, pour faire une différence dans le monde. Puis je pense que tu y contribues d'une manière exceptionnelle. Merci beaucoup. Et merci de t'être déplacé juste pour nous ici ce matin. Et je trouve ça extraordinaire, vraiment. Merci infiniment. On va refaire ça à un moment donné. Là, au fur et à mesure que tu vas t'ouvrir, tu vas revenir nous voir. On en saura un peu plus chaque fois. Nathalie Loca, merci infiniment. Merci à toi, Diane. Mes chers auditeurs, on vous quitte là-dessus. La semaine prochaine, nous recevrons Mathieu Lippé, qui va venir faire un peu de musique avec nous, puis qu'on va apprendre aussi à découvrir. Ça va être une super belle émission aussi. Alors, merci à tous. Je remets le podcast de cette émission en fin de journée sur la page Facebook de Diane Gagnon. À bientôt. Bye-bye. CJMD 96.9. La seule station sur la rive sud. C'est l'Alternative Radio. Un restaurant, un comptoir de prêt à manger et un bar laitier. Et c'est nouveau à Lévis, au centre-ville, avec comme nom Fromagerie Victoria. Synonyme de qualité. Une visite et vous serez charmé. Situé au 164 boulevard Président Kennedy, la Fromagerie Victoria comblera toutes vos attentes. Venez nous voir et profitez de nos installations toutes neuves, mais surtout de nos recettes succulentes préparées à partir des meilleurs ingrédients. Au 164 du Président Kennedy, près de Lavin. Pour un bar laitier, une fromagerie et le meilleur resto en ville, tout ça sous le même toit, on vous attend à la Fromagerie Victoria. I met you day, I, I, I. Et c'est Météo TV, vous écoutez CJMD, la radio alternative, 96.9 FM. 96.9 CJMD. Anneto, you day, ay, 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 me tell him, say, it's getting harder. Tous les jours, c'est talk, rock and hip-hop à CJMD 96.9 Lévis. Canada is an open country. C'est une succursale des États-Unis. C'est ça. Mais ça marche pas de même. Cut my life into pieces. This is my last resort. Suffocation, no breath. Assis en arrière, voilà des heures que je médite. Sur ma montagne, je n'arrive pas à faire le vide. CJMD 96.9, la seule radio à Lévis. CJMD 96.9, l'alternative radio. Talk, rock and hip-hop. 50% talk, 50% musical. 96.9 CJMD. La seule radio à Lévis.
969 CJMD Lévis www.969FM.ca. Sur Facebook, CJMD 969 Lévis, la seule et unique alternative radio au Québec. Fais bout de changement, branche-toi à CJMD 969. La radio déformatée. Nous, on fait les choses différemment.